Oh merde, voilà, caméra. Comment ça va l'équipe? Comment ça va? Là, c'est votre petit live tranquille ce soir. On est posé, faut juste que... Wouh! Que je vois un peu plus la musique, tu vois, elle est tranquille. Pareil, musique posée. Peut-être un peu forte pour une musique posée, voilà. Je suis en train de régler, je fais mon petit réglage dernière minute, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps. Avant, voilà. Donc les... Ah oui, c'est vrai, il y a Matt qui est là. Salut Matt, salut, un petit chat. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout lire. First, évidemment, le fameux first. First sur Gab aussi, putain. Je vais revenir sur Gab. Je vais revenir sur Gab. À plus tard, bichon. Re, Gab lag à mort. Ah ouais, Gab il lag. Bah écoute, je lui dirai, parce qu'on va le rejoindre, là. On va le rejoindre tranquillou. Donc je vais lui dire, je vais me faire un plaisir de lui dire. Par contre là les gars... C'est une énorme dinguerie. Là, le micro, il va changer. Le micro, il va changer, mais genre pour une énorme dinguerie. Quand ça va arriver, je vais tout configurer, je vais tout mettre propre. Et je vais faire un live où je vais vous montrer le changement. Ça va être une dinguerie. Mais genre une dinguerie. Genre vous allez avoir un step-up de qualité sur l'image et l'audio. Ça va être énorme. Même moi, je reviens pas que j'ai pu faire ça. Et je peux pas vous le montrer parce que c'est pas fini. Si, je pourrais en théorie vous le montrer aujourd'hui. Mais si je le fais... Voilà. Donne-moi tes affaires. Mais écoute, gros, va bosser. Je te promets, genre, va bosser. Si t'es mineur et tout, tu t'es chez tes parents, tu te fais, allez, on va dire, 800 balles par mois parce que t'es pas majeur, donc t'es forcément un peu moins bien payé qu'un majeur. 800 balles par mois, à 800 balles, tu peux t'acheter une caméra, une très bonne caméra avec un vrai objectif et un très bon setup micro pour 800 balles. Je te promets, gros, tu travailles genre un mois. Et tu m'y envoies, ouais, je vais t'envoyer un morceau de papier avec une photo de mon setup, gros, y'a pas de soucis, je t'envoie ça dès que tu veux, mon sauce. Oh, gros, putain. Les gars, par contre, pareil, la boutique, j'ai... Est-ce que je vous le dis? Parce que, tu sais, y a la boutique et tout, c'est tout, et j'ai envie, je suis en train de le faire sur Wix, merci Wix. Je suis en train de me faire un site web, le site web Road Dogs avec plein de petits détails, c'est hyper long à faire. Et je pense que je le finirai pendant mes vacances parce que je vais bientôt prendre une petite période de vacances. Donc ça va être à partir du 16. Donc c'est mercredi de la semaine prochaine, peut-être le dernier live avant septembre. Ou peut-être que j'en referai avant si je rentre un peu plus tôt, je sais pas trop. Mais voilà, donc profitez des lives les gars. Tu me donnes tes affaires que tu changes. Non, je vais faire des vidéos dessus. Je pensais faire des vidéos test de micro sur une chaîne secondaire, genre Road Dogs Gaming ou un truc comme ça. Mais à voir. Parce que, ouais. Genre, en fait, je vous explique, j'essaie de créer une chaîne YouTube, mais j'en ai déjà créé deux cette année avec mon numéro de téléphone. Et tu peux pas en créer plus de deux par an, des chaînes YouTube, avec un même numéro de téléphone. Et du coup, je peux pas mettre de miniature personnalisée, je peux pas faire de vidéo de plus de 15 minutes si je mets pas mon numéro de téléphone. Donc, je peux pas créer de chaîne YouTube dédiée à ça. Donc, y a pas de souci pour moi, hein. Je vais faire les vidéos. Et elles sortiront en janvier prochain, quand la chaîne YouTube, je pourrai la faire, quoi, parce que je peux pas la faire. Donc, je vais les faire, je vais tout tourner, je vais tout bien. Et je sortirai tout sur la chaîne Road Dogs Gaming. Donc, pour le moment, vous pouvez chercher, en tout cas, elle est pas référencée vu qu'il y a pas de vidéo dessus. Et voilà quoi, au calme, tranquille. Allez, vous voyez le jeu, je vois le jeu. On va aller voir le petit Gab. Re, mon sus, comment ça va? Comment ça, mon... T'as vrai, y a Matt oublié qui m'a dit que tu laguais à mort. Ça va, on joue à Raft aujourd'hui, c'est un petit jeu. Ah merde, attends, gros. Les gars, j'ai une caméra merdique, hein. Excusez-moi. On l'entend pas, mais... on l'entend pas, désolé. J'avais coupé ton son la dernière fois lors du dernier là, vas-y, redis ce que t'es en train de dire. Aïe, je disais que du coup j'avais une caméra merdique, et je m'excusais. Ah oui, bah oui, son PC il a fait la grève, il a fait RATP, mon gars. Ah non, mais là, vraiment, il a premier degré. La vie de ma mère, il a fait ça. Hein. Attendez, les gars, énorme dinguerie. J'ai oublié de mettre ça. Merde, il a l'envers. Par contre, vous avez peut-être un son de micro qui est vieux. Ah, ouais, qui peut être en soi un bénéfice. Ouais. Oh,
là, le tapis de souris, le fameux. Et oui, voilà, sans ce tapis de souris, je ne suis rien, je ne suis pas un bon joueur sans ce tapis de souris. Et ouais, bon, bah moi, écoute, le stream est relancé, mais sur une caméra qui ne me va pas. Ouais, bah attends, moi, faut que je change mes paramètres d'écran pour qu'il soit plus fin. Donc voilà, les gars, ça arrive, on va lancer le jeu. Voilà. Les gars, je vous mets l'écran de jeu, comme ça vous aurez autre chose à voir que ma gueule qui ne va pas du tout, qui est pas centrée. Mon kill, ce live est sponsor par mon kill, mais ils font les lives les lundis, mon kill, maintenant. Bon, écoute, le live d'aujourd'hui est sponsorisé par Roddox et le petit Gab. Vraiment, ces mecs sont hyper sympas, allez vous follow leur chaîne. Ouais, juste, il y en a un qui a des problèmes de... pas de stream. Bougez pas, je mets tous les graphismes en extrême. Ah, d'abord, j'étais à fond et tout, là, je commençais un bon stream, Ah, ça me casse les... Mais gros, t'inquiète, ça va se résoudre. Je sais pas pourquoi, il a décidé de faire la grève, mon PC de stream. 30, FOV... Mettre à 80, moi j'aime bien les FOV. Les gars, vous me dites, s'il y a des problèmes de son, de je sais pas quoi, dites-moi. Chargez monde, Roddox. Chargez monde. Rejoindre monde. Ça ne m'est pas encore coûté. Mais j'ai fait les tapis de souris, c'est vrai. Je le reconnais. Je le conçois, j'ai fait les tapis de souris, ok. Mais j'ai pas genre l'argent pour les acheter. Mais les gars, pas de soucis, hein. Vous faites des dons et hop, vous achetez. C'est quoi ça, mon ref? T'arrives, tu fais les gars, faites des dons un maximum. Donnez-moi de la thune. Mais non, c'est lui, il me dit t'as pas acheté tes propres tapis de souris, mais j'ai pas d'argent, les gars. Le jeu, on veut voir le jeu. Oui, mais il se lance, le jeu. Si tu veux, on peut mettre le jeu. Il est pas lancé encore, le jeu, là, y'a rien, y'a pas de chargement. T'es déter. Est-ce que tu serais pas un peu rebé déter, à tout hasard? Oh, le jeu. Oh, le jeu ne répond pas. Oh, ça y est, le jeu répond. Il arrive. Voilà, non, c'est bon, les gars. Caméra, ça me va pas. Ah, je suis pas content. Hey, je vais faire ma crise, hein. Oh, la sensibilité de pourri, elle est nulle. Oh, de la sensibilité de pourri. La sensibilité de souris. ça me va pas de stream comme ça, là. Putain. Ouais, quand je clique sur ma souris, ça change la sensi, hein, si vous posez la question. Voilà, celle-là, c'est ma sensi qui est bonne. Tu sais ce qui est aberrant? Non. C'est aberrant parce que d'un côté je peux stream d'une meilleure qualité, mais de l'autre ça me va pas. Bah tu fermes ta gueule. Ça me va pas, ça... en fait ça va pas, faut que je stream avec un truc pourri moi les gars, ça vous comprenez pas. Voilà, là on est pas trop mal, niveau qualité. Ça me fait une connexion normalement sur ton serveur, si t'es lancé. Oui, bah je suis lancé donc... La caméra elle est... Putain, c'est vrai qu'on avait fini ça les gars la dernière fois. C'est vrai qu'il faut que je me rappelle tout ce qu'on avait fait la dernière fois, parce que là... J'ai envie de voir les bugs de Gab, bisous, à dans 10-20 minutes. Écoute, pas de soucis, hein, vas-y, va observer les bugs de le petit Gab. Alors, ils sont très très beaux. De face. Ouais, je sais, Matt. C'est pas habituel, hein. Pour la première fois. De quoi, comment ça, pour la première fois? Ça te va pas? Si tu veux, je peux pas changer de... Tu peux juste enlever la caméra, mon ref. Tu peux juste enlever la caméra. Oh, le fils de pute. Je me retrouve, non pas comme ça, mais je me retrouve comme ça. Non mais bon. Tu me vois de face du coup. Parce que du coup j'ai une petite caméra. Est-ce qu'il est BG de face un peu ou pas? Genre est-ce qu'il est BG de face? Genre tu le trouves comment? Tu le trouves physiquement attirant ou pas? Oh. Attends, tout le coup il va me dire j'ai envie de te sucer mon rush, je vais pas comprendre. Le Matoubi, il est pas que hétéro en fait, il est hétéro curieux le bougre. Ah mais curieux, c'est plus curieux là, c'est... C'est une curiosité curiosité. Minecraft la cam, exactement, la Minecraft la cam. Oh merde. Oh, ouais mais ça me va pas cette cam en fait. Franchement, on est d'accord, elle était mieux notre cam, Matt. On est d'accord, c'était mieux. Oh. J'aime pas, ça me casse les couilles. Mon PC, il a décidé de faire grève. Oh. Oh, t'es beau toi. Oh oui. Salope. Bug non pour interrogation, comment ça bug non? Mon PC? Ouais, bah mon PC de stream, ouais, il a décidé de dire non. Il a fait nope. Il a fait moi je pars en vacances. Je sais pas pourquoi. Mais c'est que le problème c'est que là, comment ça je viens de me prendre un caillou wesh?
Il y a un oiseau qui t'a si attaqué. Je me penche ou des trucs dans le genre, là, la caméra, ça va pas. Ça va pas. C'est peut-être plus fluide comme ça, parce que du coup, là, je suis pas en... C'est pas à distance. Là, c'est tout sur le même PC. Et aussi le PC plus puissant. Donc, quand je fais les changements de scène, par exemple, je vais te montrer. Là, je vais aller en changement, en pause. Regarde, j'ai pas de chargement, alors qu'avant, j'avais un petit chargement. Là, j'ai pas. Donc, en soi, c'est plus agréable. Toi, la vie... la vie de ma mère. Je vais... Eh, on se fait attaquer, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a tout pris sur Steam ou... Non, on a rien pris, on venait à peine d'arriver, faut qu'on aille explorer. Moi, je te laisse le faire explorer, hein, je... Que l'air d'être énorme. T'es sûr, mon ref? Elle me dit quelque chose, il... Matt, bon, dis-moi, dis-moi. On est... En fait, on est arrivé dessus, on a visité deux secondes, puis après, on s'est barré. Parce que c'est pas que je suis en train de me faire shooter par les oiseaux, mais... La même, gros. Je vais rester là. C'est quand déjà les touches? Je connais plus les touches. Gros, okay, ça fait trop longtemps qu'on a pas joué. Pour un arc, faut quoi? Ah, des boulons. Ah, la salope. Comment ça? Nom du bateau, Galdux. Attends, là on a quoi? On a Lolilol, là il y a écrit quoi? Waldux. Ça, c'est mon lit, c'est mon lit, c'est mon lit. Non, change le Lolilol par Galdux. C'est ce que je viens de faire. Galdux. Bon, faudrait faire un gros panneau, tu sais, genre vraiment un truc... énorme, un peu comme... mon humour. Mon humour. Ouais, putain, les gars, il y a un vieux ou pas? Je sais pas ce qu'on peut dire, mais t'inquiète. Lingot de cuivre, ouvrir... Boom. On a déjà appris le lingot de cuivre. Oh, on l'a déjà étudié, apparemment. Dites-moi les gars s'ils sont en comment ça et tout. Je mets le lingot de cuivre dans... J'entrepose un peu là. C'est quoi ça? Ah mais d'accord, ok. Eh mais toi, eh, pourquoi la musique elle bug là? Attention qu'il n'y a pas grand chose qui veut marcher aujourd'hui de ton côté mon petit Gab. Hein. Eh aujourd'hui... Oh le bâtard, oh le bâtard. J'ai pas de lance. Putain, je me suis pris un truc dans la gueule. J'ai plus de vie, gros, j'ai plus de vie, je me suis pris un truc dans la gueule, j'ai plus de vie. Merde, tu peux me rendre mon lingot de cuivre, s'il te plaît? Mais il est là-bas dans un coffre. Ah, tu l'as mis dans... Yes, merci, gros, tu gères. Ouais. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, là. Il me faut du plastique. Tac. Tu veux faire quoi avec? Attends, un circuit imprimé. Mets-toi sous les trucs parce que sinon je vais te faire... Ouais mais ils vont se casser les trucs à l'étage au bout d'un moment, non? Non, je crois pas. Et plus... Hein, quoi? Et plus remplir mon coffre? Qu'est-ce que t'as écrit, wesh? Rentable. Ah bah oui, bah... tu regardes le coffre... Et pourquoi la musique, elle s'arrête? Je t'assure, je vais péter mon crâne. Bah pète ton crâne, mais en silence, s'il te plaît, hein. Eh, sérieux, y a des limites à un moment. Eh, ils ont fait une mise à jour sur... Oh non, gestionnaire des tâches. Hein? Oh non, gestionnaire des tâches, ils ont fait une mise à jour. Et y a quoi dans le gestionnaire des tâches qui a changé? Tu verras, c'est plus épuré. Oh moi les gars, j'ai toujours le vieux truc. Et les gars, j'ai toujours le vieux truc de merde, là. À aucun moment, c'est plus épuré. Ouais, bah ah bah, pas pour moi, hein. Moi oh, c'est beaucoup plus beau, tout court, hein. J'ai pas aller chercher plus loin. Hein. Tu veux pas aller chercher midi à 14h comme on dit, hein? La carte mère 780 degrés, comment ça mon ref? Mon ref, t'as une carte... Là, elle est en train de fondre sur place ta carte mère. C'est plus une carte mère, t'as un radiateur. Déjà que c'est un radiateur... j'ai crevé de faim. Bah moi j'ai fait juste oublié, crever tout court. Aïe 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 aïe. Mais c'est vrai, j'ai des cuisses de poulet sur moi, j'ai aussi des ananas. Hey. J'ai des charnières, ça sert à quoi les charnières? À faire un truc. Le lingot de fer que t'as récupéré, tu as mis où? Attends, je le cherche. Tiens là. C'est bien du coup, ouais, la vie de ma mère, ça fait un radiateur de verre. C'est trop bien.
Par Oui, contre, après. vraiment. Oui, vraiment. Par contre, l'hiver, les gros PC, c'est génial. Mais l'été, c'est l'inverse. Ah, l'été, j'ai envie d'avoir un PC, mais qui est refroidi. Je sais pas quand il peut être refroidi, mais t'inquiète. Oui, on peut avoir une centrifugeuse. Permettre de faire des délicieuses boissons. C'est pas une centrifugeuse, wesh. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me Bah, baragouines, hé, ça, fils de hey, pute? premier degré, on peut même faire une ruche. Des jumelles, des palmes. Oh, Pour les stockage! palmes, Stockage! pour Pour gros, récupérer des algues. faut qu'on se barre de l'île. En Quoi? gros, Attends, bah attends. pour faire les Moi, je fais un stockages, truc, je vais voir un truc. en gros, il nous faut du. Il manque plus que du bois et je peux faire des grands stockages. Mais genre, je peux en faire beaucoup. En fait, Prendre là, il me des faut algues, vraiment, genre là, non? juste beaucoup de bois et c'est tout. Et ouais, du bois et du plastique. Du bois et du plastique, comme ça, je vais pouvoir faire un deuxième lit. Même si un lit suffit pour être ré réanimé en théorie. J'essaie de récupérer des algues, mais période des fous. Perso amusant. Attends, ouais, j'arrive même plus à lire. Eh, les gars, je suis pas habitué à la stream. Et épais de 50 cm, donc. Putain, avec sa mère. Attends. J'arrive pas à lire. Qu'est-ce que t'as écrit, Matwish? Ça y est, les Groupe gars, il sait plus lire. vers le. Attends, mais il a écrit quoi? Groupe vers le. Wesh, T'es attends, mais bourré, c'est moi, Matt? je suis. Bon, est-ce qu'on se barre de l'île ou pas? Groupe Verlaine. Et je vois pas ce que c'est, Groupe Verlaine, mais vas-y, t'inquiète. Hein, De toute façon, c'est simplement. Gab, on se barre de l'île ou pas? Oh, peut-être bien un jour. Ouais, c'est là, tu me le dis, on se barre là. Bah, de toute façon, oui, hein, on s'est J'en attaqué depuis tout à ai l'heure. ras le cul de l'oiseau là, je me casse. L'hiver c'est chaud, l'été c'est frais. Ah, mais ça c'est bien, mais tu parles des murs de ta maison. Bon, il parle de sa bite là. 50 cm, mon ref. Oh, putain, le pauvre, il a pas une grosse. Hein. Voilà. C'est un truc de panneau solaire et isolation. Panneau solaire, 9 900 euros et isolation 10 000. C'est-à-dire. Oh Oh la merde, le bâtard! pute. Attends, comment on fait? Comment. J'ai. Ah, oh, j'ai pas de lance! T'as rien, toi! J'ai pas de Saloperie! lance. Mais Oh! comment ça, je viens de me Non! prendre une pierre sur la gueule, là? T'es mort ou pas? Est-ce que tu peux venir me chercher dans l'eau? M'attraper dans l'eau et me mettre sur le lit pour pas que je perde tout mon stuff? Tu me Tu mets peux sur vraiment le me foutre lit? sur le lit? Ouais, et comme ça, en fait, ça va me réanimer. Ah, c'est une dinguerie. Merci, gros. Appuyez pour vous réveiller. Putain, gros, il m'a sauvé la Aïe vie. T'as vu le lit en fait, c'est trop bien aïe. le lit. Tu C'est m'en dois important à une, avoir. tu m'en dois une. Tu m'en dois une. Je t'en dois une pelle là. Une pelle. Est-ce que j'ai une pelle là que je peux faire? Elles m'en sont encore attaquées, j'en peux plus. Il nous faut du bois là, il nous faut du bois en masse. Faut qu'on se casse. Faut qu'on se casse et il nous faut du bois en masse. Ouais. Bah, faut qu'on arrive à se casser. Ah, c'est bon. Parce qu'on se fait encore attaquer, hein. Ça commence à me casser les. Ah, clairement, gros. Mais là, il me faut masse bois pour faire des grands coffres. Voilà. Et du coup, ton truc d'isolation, c'est quoi ça? Ouais, il a fallu ce mon ref! C'est énorme! Oh, c'est. Et mon gars Joe! Oh. Alors? Eh, heureusement qu'on est protégé. Hein. Et t'as vu le toit, ça sert. Ah, mais bien sûr que ça sert! Une batterie basique, on peut faire une batterie basique. Il faut du cuivre. Ça Non mais. permet de faire fonctionner des engins électriques. On n'est pas encore. Lingot de métal, charnière, là il nous faut pour ça. Héros. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Regarde ce que Oh les tu bâtards. nous as. Ah bah. Ah bah là je peux pas t'aider. Hein. Là je m'ai fait Wow. une petite lanterne. Oh stylé. On peut la déplacer pour la mettre plus au milieu ou pas? Parce que ça éclaire un poil plus que ma vieille torche de merde là. Et gros, j'ai encore Ah oui, appuyé c'est sur vrai. C comme si j'étais sur Minecraft gros. J'en peux plus. Eh, toi aussi tu fais ça. Voilà.
Oh là, le bateau il est éclairé. Tu mets des trucs d'isolation depuis l'intérieur. Ah mais c'est de l'isolation par intérieur. Ouais, Oui, toi, bah toi, gros, toi. l'isolation des maisons, tu peux faire soit isolation intérieure, soit extérieure. Le plus chiant, c'est extérieur, mais le problème de mettre l'isolation à l'intérieur, c'est que tu perds des mètres carrés Là, de on ta a un maison en oiseau fait. buggé. On a un oiseau buggé. Mais gros, je suis en train de le récupérer là, il est mort. Voilà. Moi, je voyais voler à l'intérieur. Ah, il a dit extérieur, tu sais pas lire. Ouais, bah des. Eh, oh, eh, hein, eh. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Bah Je apparemment que si rigole. par contre. Par contre, eh, le. Là, je te dis, là, Mathieu, plus habitué. Comment c'est une. Je te dis, on n'a pas élevé les cochons ensemble, tu me sors si. Attends, mais il y a des choses que j'ai à apprendre sur ma vie, là. À tous les coups, il va me sortir. En fait, je suis ton daron. En fait, je suis non-daron, donc respecte-moi. C'est ça que tu sais pas. Eh oui. Est-ce qu'il a cassé? Non, alors je suis encore tombé dans l'eau, donc je me déteste. Ah, des charnières ici, je savais pas ça. Ce sera un live baignade en fait. Oh, je suis dans la merde au Attends. niveau vie là. Je fais dodo. Pourquoi est-ce qu'il y a le requin, il vient de me toucher alors que j'étais sur le radeau? Bah parce qu'il m'a attaqué alors que j'étais sous l'eau. T'as peut-être touché par la même Ah, mais occasion. du coup, il m'a attaqué aussi. Le Et requin, il cheat la les vie de la gars, mer. regardez la gueule de cette bouteille. C'est une vieille bouteille cristalline. Ma gourde elle est en bas, du coup j'ai récupéré une vieille bouteille cristalline pour boire. Il y a tes lingots de cuivre là. Ça c'est vraiment de l'eau du robinet qu'il y a dedans, il n'y a pas de cristalline. C'était pour reprendre de la vie hein, que je me suis allongé, hein, sinon j'étais mort le tonneau. Ah, mais ça nous permet de prendre de la vie de. Bah tu régénères plus vite je crois, ça serait logique, non? En soi, juste tu dors quoi. IRL, quand tu dors, ça te fait pas régénérer de la vie, hein. Bah si gros, la réparation, tu répares tes muscles quand tu dors. Ouais, mais t'es pas là en mode oh putain, je viens de me faire régénérer ma vie là. T'imagines, il y a un gars, il arrive dans la rue, il dit ça, t'es en mode wesh, ouais, Oh, mon mais quand ref. tu dors pas, t'as l'impression d'être mort le lendemain. Là, t'es pas mort. Ouais, mais bon, t'as compris, on n'est Pour le pas réellement stockage, il me mort. faut 8 planches. Est-ce que t'as des planches, gros, ou pas? Là, j'en ai vraiment zéro. J'en ai 5. Toute celle que Ah, je il en prends, je a vais essayer une, de les ça y est, il garder. en a une. Ah, mais moi je farme pas pour toi là. Hein. Ouais, bah dis pas que t'en as zéro alors. Quel fils de Bah, pute. non, mais j'en avais vraiment zéro. Là, je viens d'en récupérer. Par contre, j'ai plus de lance, donc va falloir que tu t'occupes du requin s'il attaque, hein. Oh là là. Oh là là. On va mourir à cause de lui. Hop là, Pourquoi il y a le boum. sèche-cheveux qui tourne à côté? Attends, attendez, comment ça sèche-cheveux à 22 h? J'arrive, j'arrive. Je me mute, j'arrive. Surtout que le gars, il y a des bébés chez lui. Hein, il va. Déjà, tous les coups, c'est un bébé, il s'est levé. Il a tout allumé, le frérot. Il se fait une petite. Oh, toi, je te vois venir. Oh, toi, je te vois venir. J'ai faim, j'ai faim. Je vais crever. Bah, let's go. La mort m'attend. C'est quoi ça? Des graines de palmier, je récupère, moi. Non, mais. Eh, toi, toi, toi. Et en vrai de vrai. Moi, ça m'a carry. Attends, merde, je suis en train de mourir de soif. Je suis en train de mourir de soif, je suis en train de mourir de faim. Voilà. Non, vraiment, c'est ma daronne qui est à côté. Elle se Ah. sèche les cheveux. J'ai fait ok, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas comme s'il y a des bébés chez toi, quoi. Non, mais. Voilà. Ah, ça, C'est j'ai toujours pas normal, moi mangé, du aussi. coup. Vous avez mangé, Gabriel? Arthur, le chat. Ouais, bah ouais. Nous, on a mangé, Mais bien wesh. sûr qu'on a mangé gros. Qui ne mange C'est pas? pas comme s'il est bientôt 22 h, quoi. Oh, plus qu'une Surtout que planche, plus qu'une je suis un gros planche, porc. elle. Mes parents, ils sont partis marcher. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, À je suis parti manger. manger. Après, ils arrivent, ils Ça font y bon, est. bon, on va manger. J'ai fait, mais moi, je vous ai pas attendu, moi. Hier, j'ai mangé à minuit. Wesh, comment ça, mon gars? Mais gros, Ça se voit que c'est les vacances, hein. il est décalé, frère. Minuit, mon gars. Tu sais que. Après, moi, je travaille, hein. Nous, on travaille, du coup, nous, compliqué à décaler. Et. Putain, j'ai les mêmes frises que la dernière fois quand j'étais sur le jeu. Mais nous on peut pas vraiment être décalé en fait.
Bah nous on travaille donc compliqué de décaler quoi. Enfin t'es décalé, t'es KO quoi, t'es mort, t'es... Faut pas, là c'est le pire des trucs. Ouais je veux dire, ouais tu c'est clair que là si tu te décales... Genre, par exemple genre se faire des lives jusqu'à minuit et tout, tu vois, c'est chaud. Ouais, bah genre déjà quand là quand tu fais des streams à 23h, après t'es KO, donc alors là faire des lives jusqu'à minuit c'est mort. Ah toi tu vas pas le faire jusqu'à minuit non plus, tu vois quand moi je quittais le live un peu tôt en disant ouais je suis crevé et tout, j'arrête et toi t'es en mode ouais t'inquiète je pète la forme et tout. Ça y est il me comprend enfin. Bah compliqué hein, c'est pas que j'ai passé 2 jours KO là. Voilà bah tu comprends enfin. Voilà le monde du travail les gars, voilà ce que c'est. Vos streamers ils sont fatigués, faites des dons, on aura plus besoin de bosser. Exactement. Après moi j'ai déjà travaillé avant donc je connaissais déjà un peu mieux le monde du travail que toi. Oh putain je suis dans le caca. Pas pour autant que t'es moins fatigué. Hein. Ouais mais moi je suis plus habitué. Ouais mais tu. Mais voilà, toi la seule différence c'est que tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. Moi j'étais exactement. En mode. J'étais en mode sauce bolognaise, sauce Michi. Oh, je préfère sauce Michi. Non mais je te jure. Voilà. Je me couche plus tôt car mes parents sont énervants. Ouais, mais frérot, tu te couches plus tôt, c'est à dire quoi 2h du matin? Je te rappelle que tu nous as sorti, ouais je bouffe à minuit. Mais est-ce que tu penses qu'il est sur la télé du salon en train de regarder nos lives? Oh la vie de ma mère, ce serait trop marrant. C'est tout. En fait, il y a une personne qui est mise dessus, mais en fait, il y en a 4 qui nous regardent. C'est ça. Mais gros, lâche un énorme oh yeah, comme ça tu mets bien la famille mal à l'aise, genre. Non. Puis il me dit, et puis j'ai une chambre partage, c'est-à-dire tu dors avec qui? Il dort avec sa sœur. Donne mon lingot, donne mon lingot. Je suis sur la lance là. Tu vas faire quoi? Oh saloperie, va. Bah rien. Attends, bouge pas. Oh. Vas-y, c'est bon. Oh, je jute des lingots. Ouais. Oh, je veux voir mon frère sous l'eau. Ah bah normal, hein. Allez, frères et sœurs, généralement. Aïe aïe aïe. C'est fait pour sucer les queues, quoi. Comment ça, mon ref? Hein? Quoi? Tu me sors des trucs chelous là. Hein? Pour faire quoi? Hein? Quoi? Hein? Viens m'aider pour requin, il attaque le radeau là. J'ai plus de lance, viens, sale pute. Y'a plus rien, mais je vois pas où est le problème, y'a pas de requin. Fils de pute, tu vois pas là qu'il y a un trou? Où ça le trou? Où est-ce qu'il est le trou? Je le vois ma mère. Regarde ce que j'ai par contre. Salopes. Non, je te regarde pas du coup. T'as quoi? Voilà. Oh, stylé, ça. Un coffre, gros, il est aberrant. Oh putain, mais il est gigantesque, mon ref. On dirait. Alors, du coup, internet. Comment t'as fait une pipe? Il me dit, Matt, t'inquiète, Matt. Mais il a de l'expérience en fait dans le milieu. Ça, il y a des choses qu'on ne dit pas, vous savez, les gars. Je suis bien plus expérimenté que vous. Hein. On en parle du fait qu'on s'est toujours pas éloigné de l'île qu'il y avait là-bas. Alors. Oui. Aidez-moi. Non. Fils de pute. Mais. Ouais, mais... utilisé pour rien mon truc. Enculé, bon, mais ta mère. Ah ouais, j'ai cramé. Enfin, j'ai pas cramé, j'ai crevé. Oh. Et j'ai plus rien. Hein. Si. J'étais en train de mourir sous l'eau si et j'arrive pas à ressortir à chaque fois. Qu'il attaque cet enculé. Non, mais s'il attaque, tu te démerdes, hein. J'ai rien. Tu m'as pas aidé tout à l'heure, c'est à toi de te démerder. Mais si, je t'ai aidé, il y a le clip qui le dit, je t'ai aidé. Comment ça, tu m'as aidé, mon gars? T'inquiète, mon gâté. Ouais, c'est ça, mon gâté. Saloperie, va. Ouais, tu vas cramer, t'inquiète. Attends, mais c'est une autre île, en fait. On rapproche de l'île. C'est une autre île. On va s'arrêter, hein. On va s'arrêter.
Oh, mais il prend encore des planches, j'ai pas assez de planches pour. Salem, je crois, t'inquiète. Oh putain, y'a Alpha Cochère là-bas. Oublie pas de mettre l'encre, gros. Larguez les amarres! Bah voilà, c'est fait. Oh putain, et j'ai toujours des freezes là sur ton serveur de. Ah oui, effectivement, oui, il est là, oui. Ouais, alors, c'est bien, voilà. J'ai pris cher. Il t'a chargé. Oh putain, il est sur moi ce bâtard. Cher. Il fout une belle gueule, c'est le karma. Mais du coup, moi je viens sur toi pour qu'il soit sur toi. Ah, mais toi t'es vraiment une grosse. Oh non, il est toujours sur moi. Oh l'enculé. Cher. Je me tire. Oui, oh, comment je suis passé à 2 cm de la mort. Pourquoi moi? Pourquoi moi, frère? Parce que... Non. Oh, j'ai mangé propre, j'ai mangé propre. Voilà. On est dans SMK ou... SMK, mon ref, t'inquiète. Une version des... Ah, tu peux pas monter. Dégré, les gars. Oh, merde bon. Oh, putain. Oh, je suis dans la merde, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, j'ai plus du tout de vie. Il va vouloir me tuer, hein. Pas cochère de mes deux. Hein? Ah, ça prend ça. J'ai eu peur. En plus, vous voyez ma tête de proche, les gars. Vous devez me voir paniquer comme une grosse merde. Oh, putain. Ils vont tous se foutre de ma gueule, oh, là. Oiseau de malheur, oiseau de malheur. Visage. Ah ouais, l'oiseau. Oh, putain. Oh, l'oiseau de malheur. Putain, il y a les deux facochères sur moi. Oui. Bon, en fait, il y en a un troisième que je suis en train de tuer. Moi, je retourne sur le radeau, je retourne sur le radeau. Voilà. On sait, les gars, on peut le tuer ou pas? Putain, comment je me chie dessus à chaque fois que je dois sortir, là. Il est FK, là. Ah, bâtard. Oh. Ok, ah, j'ai tué le fat cochère. Ah putain. Bon, oh, faudra que tu répares le sol là, il est plus en très bon état. Hein. Bah, opposant, je fais autre chose. Non, toi tu t'en occupes, moi je m'en occupe pas, frère. C'est pas mon job ça, c'est ton job. C'est quoi là? La tête de fat cochère. Ça y est, en effet, on a balle, mon ref. Oh là, on se met bien. Non mais ouais, ça me fait bugger des fois, y'a rien qui va. Là, vous rendez compte que j'ai quand même risqué ma vie. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Pour des putains de planches de bois. J'ai risqué ma vie pour des planches de bois. Oh, récupérer du verre. Mango de métal, tête de requin, plume, boulon, ça je prends, sable, récupérer substance visqueuse, ça je prends. Bon, tu te dépêches un peu là, c'est pas qu'on se fait ouais, chier. Ouais, mais attends, je récupère. Non, mais c'est pas. En fait, là, je récupère plein de trucs, genre ultra intéressants, mais toi, t'es pas du tout là où je suis. Genre des substances visqueuses, des boulons, des lingots de métaux. Donc, on va se calmer, hein. Hein, on n'a pas élevé des cochons ensemble. Exactement, j'ai récupéré aussi un facochère. J'ai fait une batterie. Et des baies rouges ici. Les gars, ça sert à quoi les batteries? Bonne question, mais j'en ai fait une. Ça dégage, on s'en bat les couilles. Allez hop. Mais oui. Il me faut ceci. Bon, cela. Frérot, faut que tu viennes avec moi là-haut, parce que c'est pas qu'il y a beaucoup de trucs, mais il y a beaucoup de trucs. Moi, il me faut surtout du bois, mais je peux pas laisser le navire comme ça, là. Ouais, puis merde. Bah, tu vas aller explorer. Il y a énormément de mangue, énormément de bois qu'on peut récupérer, des fruits dans le genre. Il a eu la tête, bien sûr que j'ai eu la tête, mon ref. C'est qui le meilleur chasseur? C'est moi. Yoyoyoyoy.
Vas-y, vas-y, essaye de le prendre en face. Hey, c'est à moi, saloperie. Ah bah j'ai plus de lance et je me tire. Je fais dans la merde. J'ai plus de lance donc bon. Ah, crevé. Ok, là j'essaye. J'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Je vais mettre la viande crue. Je vais remplir le coffre de trucs qui sont pas mal utiles. Genre toi... Si, là que tu disais qu'il y avait des trucs à récupérer. Ouais, il y a sûrement y a plein de trucs à récupérer, des merdes, des machins. J'ai une, un oh, plan d'antenne. J'ai un plan d'antenne, gros. Ah oui, mais c'est moi qui l'ai jeté, ça. Mais gros, t'es courant que c'est modèle unique, hein. Tu peux pas le ravoir, ton plan, après. Hein. Si, si, faut que je crève. Nickel, faut que je crève. Je suis radical comme solution. Hein. En tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir connu. Non mais, pourquoi tu vas pas me dire que tu vas crever là? Non. Est-ce que tu peux ramener le radeau? T'es sur l'île, t'as deux îles en fait, t'as une petite et une grosse, je sais pas si tu vois. Alors, Oui, mais non, comment dire, c'est un peu la merde là. Bah, démerde-toi, tu ramènes le radeau sur la petite île. Attends. Démerde-toi. Hein. On va se calmer. Hein. Tu vas pas me dire qu'on a pas élevé les cochons ensemble, ton petit. Eh bah oui. Moi je le dis. On a pas élevé les cochons ensemble. Bah, sache qu'on a élevé les cochons ensemble, j'ai une photo. Ouais. Je suis pas très très convaincu. Ah ouais? Non, il y a quelque chose qui me dit que tu me racontes des bobards. Non, moi perso, je préfère raconter des babors, c'est mieux. Babors, ça reste dans le thème de la piraterie. Ah, babors, mon saillon! On a perdu encore un bout de radeau parce que j'avais pas de bois et je pouvais pas faire de lance. Ouais frérot, faut que tu viennes, genre là c'est compliqué à la ramener. Ramène le radeau, là je me fais... Mais sur la deuxième île, elles sont toutes faites pareilles les îles. Non. Je peux pas le mettre ça, pourquoi? Tu m'as pas vu. Dégage. Eh, la reprise du jeu, compliqué là. Tu m'as pas vu. Oh les fils de pute. Voilà. J'ai plus rien, faut qu'on parte, faut qu'on se laisse guider par les océans là. Il nous faudra quoi, attends? Loup, planche, boulon. Hey, hey. Là, je suis en train de gérer le radeau comme je peux. Vas-y, moi j'essaye de... Merde, ouais. j'ai graille. Excuse-moi, j'étais en train de jouer, excuse-moi. J'essaye entre guillemets de nous faire... Tac, tac. Ça fait voir, il y a une hache, ferraille, planche. Ça faut que je me le fasse, ça. C'est bon qu'on récupère déjà des minerais de métaux là. Au fond de l'eau. Et il y a le requin, il me fait peur. La vie de ma mère, il va tout nous casser là. Jack, il commence à nous casser trop de trucs. Il me casse les couilles, frère, surtout. Oui, alors ça, vraiment. Alors ça, je vais nous refaire. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà, t'es tombé. Bah. C'est toi bouffé par le requin. Et non, parce qu'il était pas là. Oh, je suis réussi à monter. Je sais même pas comment j'ai fait, j'ai réussi à monter. Je suis en haut. Le gars, il a sauté dans tous les sens, il a fait.
De vraiment ton micro, il a coupé, j'ai juste entendu Let's go! Let's go! Tu peux me faire une lance en métal ou pas? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah, je peux me faire une lance en métal ou pas? Tu te fais bien ce que tu veux, mon coco. Ok. Non! Regarde ma lance. Waouh. Regarde, gros. J'ai créé quelque chose de bien plus utile. T'es prêt ou pas? Dis-moi si t'es prêt, dis-moi si t'es prêt. Vas-y, je suis prêt. Oh, la vie de ma mère, t'es trop fort. Bah surtout, on va pouvoir faire cuire des gros poissons maintenant. Donc je vais retourner à la pêche. J'ai plus de canne à pêche. J'ai envie de mettre un petit truc, regarde. T'as tout le four pour ce petit truc de merde. Je pensais que ça allait allumer qu'une partie, mais non, ça rend tout allumé. Il me faut des planches, gros. Faut que tu me files des planches pour que j'ai une canne à pêche. Parce que là, c'est pour la bouffe, là. Là, ça commence à être la merde. J'en ai marre de bouffer des pommes de terre, gros. Bah, j'en ai que deux, quoi. Bah tiens, c'est par terre. Merci, gros. Il m'en faut 6, mais c'est pas grave. Un barbecue, exactement, Matt. Non, gros, c'est pas du tout un barbecue. Mais si. Non, non, non. Bon, je prends mon bain, hein. Putain, oh, faut pas avoir le mal de mer sur ce jeu, n'empêche. Parce que là, je te jure, gros, je vais vomir bientôt, là. Mais non. Tu vomis ou t'es une grosse merde? Je suis une grosse merde. C'est ce que j'ai à dire. Ouais, 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 ouais. Y'a des vagues, mon gars. On sait se guider par les vents là. Non. Bah si on a besoin de bois, on a besoin de tout ça quoi. Oui, bah il est où le bois là? Il est où le bois? Il est où le bois? Là il y a un tonneau. Il arrive. L'eau dit tonneau. Chat! Chat, motherfucker! Un sale bâtard! T'es vraiment qu'une pute hein. Oh! Vite, il attaque, il attaque, il attaque, il attaque! Il est où, il est où, il est où? Faut que je le répare. Tu peux le réparer, s'il te plaît? J'ai pas du tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Et je peux me faire ma petite canne à pêche. Bon, je vais pêcher, hein. Je te laisse t'occuper de la sécurité du radeau. Ça marche. Je m'occupe de l'agrandir aussi. Là, faut qu'on se laisse guider par les vents, les marées, tout ce que tu veux. Je m'occupe aussi de rajouter des lumières et tout ce qui est assez utile dans le noir. Le live pêche, les gars. Depuis le début. Ah, c'est faire quoi la dernière fois? Vous vous souvenez du live pêche? Wow. Imagine, genre, je pêche un requin, genre. Oh la dinguerie. Généralement, lui, on le tue, mais. Il faut du plastique maintenant. Plastique! C'est bon, on avance plus là. Ah, mais c'est que t'as mis la voile. Enlève la voile, on est plus rapide sans. Face au vent. Enfin, pas face au vent, face au courant. Voilà, toi. Oh là là, putain, il nous a graillé nos graines, cet enculé. Agrandir un maximum le radeau. Faut en faire un palace, les gars, ça va. Un hôtel 5 étoiles, carrément, le bougou. Ah, j'ai eu des betteraves. En solo. Enfin, dans le tonneau, plutôt. Pourquoi déjà le saut? Parce que je vois que t'avais fait un saut, mais ça sert à quoi, du coup. Ah, mais tu peux faire cuire plusieurs trucs en même temps, ça, c'est cool. Ah de ouais quoi? Tu parlais d'un seau? Non, j'ai fait une baignoire. Pour se laver. Non, t'as fait un seau aussi, frérot. Il y a un seau dans les coffres. Ouais, mais c'est pour. C'est pour le gros truc d'eau. Tu sais, t'as le truc d'eau petit et le truc d'eau gros. Bah, le seau il sert au gros. Ah, d'ailleurs, faut qu'on fasse.
J'ai regardé un truc après. Non, saloperie. Eh, mais d'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai du sable dans les coffres. On a du sable. Je crois pas, gros. Du coup, on peut faire du verre. Moi, je le... si on a... s'il en restait, je l'aurais déjà mangé en fait. Je l'aurais mangé. Du sable. Tel un kebab, gros. J'aurais graille, j'aurais dit, il est bien croustillant comme je l'aime. Du sable. Ouais, du sable. Vous allez pas me dire que je suis seul à manger du sable ici quand même. Juste... Vas-y, j'ai pas envie de répondre, j'ai pas envie de répondre mon ref. Il y a trop de conneries qui sont sorties à la seconde en fait. Mais gros, vraiment pas. Il ose me dire vraiment pas en plus ce con. Mais vraiment pas, fils de pute. Comment ça, fils de pute? Comment ça tu l'as dit gros, on est en live, oublie pas. Comment ça, fils de pute? Va te niquer, va te niquer toi-même en fait. Tu vois, gros, tu vois ce poisson? Tu vois ce poisson-là de merde, là? Attends, mais laisse-moi, je vais me niquer moi-même. Dégage, je vais me niquer moi-même. Ouais. J'arrive même pas à fermer tes trucs, là. Voilà. T'es une merde, voilà. C'est bon. Ça va, toi? Je pense que je suis en train de crever de soif, en fait. Bah, graille du poisson, frère. C'est bon, le poisson. Non, mais de soif, pas de faim. Ouais, mais il y a de l'eau dans le poisson. Ah oui. Mais là, je te parle de soif, pas de faim. Si je bois de l'eau pure, ça va moins me... la capter. Vraiment, gros, j'ai remarqué un truc, regarde, je peux pêcher. Et genre me promener dans tout le bateau. Genre faire ma vie, tu vois. Et dès que ça tire, hop, je ramène. Dingery. Regarde, là je suis devant toi alors que ma pêche elle est à l'autre bout du bateau. Et hop, là j'ai ramené le poisson. T'imagines IRL? Ah, tu t'as l'air de très bien t'en sortir. Mec, avec la lance, deux coups ça le fait partir. Nous, il nous en faut combien? 3 ou 4? 4, je crois, un truc dans le genre. Ah ouais, le truc qu'il atterrit dans l'eau, mais genre ici. Cette bâtard. Eh, hey, hey boy. Non. Eh, hey, je vais nous mettre bien, tu vas pas comprendre. Je vais faire un truc après. Non. On va pouvoir faire pousser des arbres, bon bref, ça te va? Oui, ça me va. Mais j'ai perdu mon poisson que j'avais pêché. Il est tombé. Est-ce que t'arrives à avoir un gros comme la dernière fois? Mais oui, mais je crois que j'en avais eu un gros. Mais il est tombé parce que j'étais plein de mon inventaire. Du coup, j'ai le seum. Ah. Coucou. Je vais voir ma... Comment ça, mon ref? Ouais. Vas-y, baisse-toi deux secondes. Non. Comment ça, non, gros? Tu renies ta destinée? J'ai débloqué un porte-bûche. Un porte-bûche? Cherche porte-bûche. Pas toujours l'utilité des objets, frère. Ah, j'ai un paquet de décorations. J'ouvre. Oui, oui, oui. J'ai un freeze, mon ref. Ah, une table. Ouais. T'sais, genre le gars il savait pas que ça existait avant les tables quoi. Il existe les tables. De pouvoir manger. En gros ma barre de bouffe elle est pleine. Genre full. Moi elle est vraiment, je vais crever dans 2 minutes. Ah mais j'ai plus de canne à pêche. Esclave. Une canne à pêche, s'il vous plaît. Ta gueule. Mais gros, pourquoi tu t'es senti visé? Parce que je suis le seul sur ce radeau. Pas faux. Tout simplement, frérot.
Pas faux. Faut pas aller loin. Avec toi, faut pas aller loin. Pourquoi, gros, pourquoi avec moi, faut pas aller loin? Moi, je vais loin, moi. Genre, t'as vu, je vais dans l'océan et tout. Ouais, c'est ce que je disais. Mec, on arrive vers une île, attends. Putain, elle est énorme. Ça, c'est jamais qui l'a dit. Encore plus grosse que les autres qu'on a fait. Merci, c'est gentil. Ah mais je parlais pas de ta... J'ai plus d'eau, je vais mourir d'eau. Eh, je récupère un tonneau, j'ai pas de bois dedans. On en parle. Alors que le tonneau est fait en bois. Ah mais c'était peut-être du bois pas utilisable, genre du bois pourri. Non mais en vrai, GG au mec dans la vraie vie qui fait un radeau comme celui-là à partir de déchets dans la mer. Hein. Bah après, à part aller sur le fameux... C'est combien de chiens de continent? C'est le un gros truc de plastique. Bah, il y en a que 5 de continents, donc si c'est un gros truc qui est considéré comme un nouveau continent, le 6ème. Ah, c'est bon, le 6ème. Mais bon, je suis pas sûr qu'il soit très gros hein, parce que bon. Non, mais tu sais qu'apparemment le truc fait la taille de la France, hein, premier degré. Hein. Ah, c'est pas un continent. Donc... Oui, mais comme c'est un truc qui s'est créé dans la mer comme ça, on dit que c'est un autre continent, mais un continent de merde. Tu sais qu'en plus, j'avais vu, il se réduit chaque année parce que genre il avait grandi à cause des déchets, tu vois. Et aujourd'hui, il se réduit gentiment parce que on a fait un peu plus attention, quoi. Donc, pas de quoi stresser, tu vois. Oui, on ramasse un peu les déchets. Surtout qu'il y a les bateaux, parce qu'en soi, tu le laisses comme ça, le truc, ça met quoi à partir. Oh, 20 000 ans! Ouais, ça met plusieurs milliers d'années à partir du plastique, donc. Ah. Dis quoi, c'est la floatlight sur Fortnite? Dis pas la ref. Moi non plus. Hein? Floatlight, j'imagine, bah, floatlight, une lumière qui. Qui flotte. Oh, y'a un bruit bizarre sur le radeau, tu peux aller voir, s'il te plaît? C'est bon, y'a plus de bruit. Ok, mais c'était quoi? C'est une planche qui grinçait, c'est ça? Ouais, t'inquiète, une planche que. Ouais, t'inquiète, ça. Pas du tout le. Deux ailes. Comment ça, deux ailes? 2 litres? Eh, hey, frérot, on est paumé, nous, on est des vieux, tu sais. Deux ailes. De Léon? Léon, le bruit que fait le pan? Regarde, les gars, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'étais au Pal, donc au Pal, petit parc d'attractions du Bourbonnais, quoi, tranquillou. Dans le Pal, t'as des pans qui se baladent. T'as des pans qui se baladent, tu vois. Et on pas de simat. Et les pans, ils font le fameux bruit Léon, Léon. Et genre, on était là avec Louis, donc Meka, de son nom sur Twitch. On se baladait et on croise un pan. Et du coup, tous les deux, on fait Léon, Léon, Léon. Et tu sais, il y avait des gens autour. Et moi, sans aucune raison, je balance Léon, fils de. Alors, ça a vraiment genre saturé, mais t'inquiète. C'est la flottille. Moi, je lis flottille. C'est une île de flotte. Une île composée d'eau. Non, mais voilà. Voilà la petite anecdote du parc. Et du coup, tout le monde s'est retourné en mode, mais pourquoi il dit ça comme ça? Il est hyper cringe, ce mec, et tout. Je me suis rarement senti aussi mal qu'à ce moment-là. Premier degré? Oui, vraiment. Il y a tout le monde qui s'est retourné qui m'a regardé comme le plus gros de tous les abrutis de cette planète. J'étais ouf. Ah, mais c'est pas un peu le cas. Si, mais genre, j'aime pas qu'on me le rappelle, tu vois. je le sais, tu vois, mais ferme ta gueule. Je sais, mais ferme ta gueule, j'ai commencé à pleurer là. Ça me termine. Je le sais, mais chut. Ça m'a terminé, gros. Ouais, t'inquiète, ouais. C'est bizarre, Ouais, hein. Dis-moi, frérot. Ouais. Faudra libérer la place, un endroit. Hein. Genre là, ton poteau, là, que t'as mis. Non, le poteau, c'est pour faire des planches au-dessus. Je fais pas des poteaux oui, pour mais... rien. Alors, viens, regarde 2 secondes ce que j'ai posé. Attends. Bah, tu mets-le à l'étage.
Il y a de la place à l'étage. Vas-y. Tu peux pas me dire qu'il y a pas de place à l'étage par contre. Non mais il y a pas de place. Comment ça il y a pas de place, gros? Voilà, voilà, là. Ça, il manque des pierres. Wesh! J'étais en train de lire les messages, je me suis fait agresser pendant que j'étais en train de lire les messages. Je suis désolé, Matt. Il, la flottille, oui, c'est ce que je dis, c'est... Flottille, c'est ça, c'est la flottille. Et c'est quoi, t'es... Alors, radeau est ton foyer, ton grappin est ton ami. Si ton radeau se brise, construis-le. Si tu égares ton grappin, fais-en un nouveau. Si tu as l'impression que l'océan est interminable, c'est que tu n'es pas suffisamment attentif. Rien n'est impossible si tu... j'ai crevé de faim. J'aimerais dire juste après, les gars. Le message philosophique, mais bon, la fin d'abord, quand même. Hein. Bah, bien sûr. Les gars, dans la vie, il n'y a que deux raisons de vivre. La bouffe. Et la bouffe. Et la bouffe. Voilà, exactement. Alors, rien n'est impossible si tu récupères les bons objets. Si les fréquences... Oh, ok. Donc, il y a des fréquences radio. Suis les fréquences radio. Si elles émettent, ça veut dire qu'elles sont hors de l'eau. Bah, ça me paraît logique. Et j'ai pas moi. Un... Je récupère du... Oh yes, j'ai des plans, j'ai pas à me refaire. Attends, du coup, je vais te dire. Je vais continuer. C'est quoi sur l'autre? D'autres sont venus avant toi et d'autres les succéderont. Assure-toi de laisser une trace. C'est-à-dire, le monde a disparu, mais les histoires demeurent. Rassemble-en maximum. Ok. Et pour l'amour du sel, fais attention aux requins. C'est quoi l'ingrédient secret pour attraper un gros poisson? La persévérance, papy. Objet trouvé, première page. On peut pas aller sur les autres pages? Non, après elles sont collées, il s'est branlé dessus. Ah bah j'ai tué le requin. Je récupère le requin aussi. Vas-y, fais le cuire dans l'énorme barbecue que j'ai fabriqué, voilà, faut le savoir. Le gars est tellement content qu'il est là, il fait ouais, alors ça c'est moi, tu vois, je l'ai fabriqué et toi tu l'as pas fabriqué, sale merde. Voilà, c'est ça, l'idée est là. Je crois que tu commences à saisir le concept. Oh non. Enfin, il y a trois trucs de requin qui cuit en même temps là. Ouais, tu ramènes du bois. Hein. C'est ce que je fais là, je ramène un petit peu. C'est qu'en fait, c'est une île avec pas beaucoup de petits arbres dessus. Il y a des Alors, frérot, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Reviens au radeau. Il est où, le radeau? Tu vas devoir nager, t'as de la chance, y'a pas le requin. Viens maintenant. Mais il est où? Je sais pas. Il est là, en fait, je suis en train de m'éloigner petit à petit, mais j'avais même pas vu. Tu sais, je m'occupais du radeau, je disais le truc. Comment dire? Je suis un peu loin, là. Oh putain, je vois le radeau. Oh non, le son. En plus, je suis en train de me faire agresser par un... Il est là, le requin? Je peux pas t'aider, hein. J'ai la voile à fond pour toi, à fond sur toi. Y'a pas le requin, y'a pas le requin, j'ai tué. Hein. C'est bon, y'a pas le requin. Hein. Ouais, non, t'as de la chance, y'a pas le requin. Mais qui s'est barré sans moi. Mais non, mais tu sais que j'ai la voile à fond sur l'île là. Oui, je vois. Putain. Bon, bah voilà, hein. On est bon. Écoute, j'ai des graines de pastèque. Voile, hein. Alors, j'ai un truc encore mieux, tu vas voir. Vas-y, pose-le. Allez. Pose-le là. Alors, là, comment dire? Ou je sais pas où. Voilà, bah parfait. Je peux pas les poser, mes graines. C'est pas normal ça. Alors, oui, c'est des. Ça, c'est pour les palmiers et tout. Ah oui, en fait, c'est vachement haut. Ah oui, tu comprends pourquoi je t'ai dit, frérot. Non, mais ça va, c'est bon, on peut passer au milieu. Au pire, regarde.
On retire pour l'instant. Bah mets-le dans un coffre, Oui, on prépare un vrai terrain, on le mettra après. Parce qu'en tout cas, on n'a pas le palmier là. Elle est pas un peu forte, les gars, la musique. La musique, n'est jamais... la musique n'est jamais assez forte, il faut le savoir. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique sonne. Faut que tu remettes du bois dans les trucs de bouffe. Genre on a plus rien. Genre partout, hein. Mais genre vraiment partout. Hein. J'ai pas bois illimité non plus, hein. Bah ouais, mais on a besoin. C'est soit ça, soit on crève, hein. Bah y'a des planches de bois, vas-y ferme les planches de bois. Moi je vais pêcher. Super. Et le requin est revenu. Le requin est revenu, notez-le dans votre petit agenda. Heureusement que j'ai vu qu'on partait. Moi, c'est vrai, ah, ça aurait été la merde pour moi. Oh putain, dinguerie. Merci les gars, on est 55. Je sais pas à quel moment on est passé de 54 à 55, mais merci les gars, vous vous régalez. Je balance peut-être un merci dans le vide, mais... pas grave. Vraiment. Moi, on est 63, ça fait un petit moment qu'on stagne. Après, je stream plus trop, je l'avoue. Est-ce que c'est de ma faute? Bien sûr. Oui, c'est toujours de ta faute, fils de. Mais. Bon, faut que j'agrandisse le radeau, moi. Moi, faut que je l'agrandisse, mais en hauteur. Parce que j'ai rien à compenser. Oui. Je te crois. Venant de toi, je te crois. Oh, j'ai failli prendre un coup de morsure. Juste, genre, tu vois, à des endroits, faudra pas. Tu sais, à des endroits où je construis le radeau, fais pas juste un plancher, genre partout, tu vois. Tu auras des remontées, tu laisses un trou. Ah non. Mais non, mais pas grave, après on remontera encore, y a pas de soucis, ça. Mais non, mais je laisse pas de trou. En fait, la base, ça sera genre une base, et c'est ici où on va construire des trucs cool, tu vois. Oui, mais sur les contours. Genre là les contours, faudra que tu laisses un peu au cas où, hein, si le requin il casse des trucs. Ah oui. Mais là j'ai vu que t'agrandissais dans cette zone, je me suis dit bon bah je vais hop tranquillou quoi. Ouais mais faut que j'agrandis un peu sur les côtés aussi là, en fait genre un peu partout. Bon faut que j'implémente une option pour zoomer comme dans Minecraft parce que j'ai trop envie de le faire tout le temps. Ouais toi aussi tu zoomes, c'est chiant. J'appuie sur C. Ça va qu'ils ont rien mis sur la touche C. Hein. T'as dit quoi? Ça va qu'il se passe rien quand on appuie sur la touche C. C'était la touche. Pour drop les objets. Sauter ou se suicider. Ouais, la touche pour drop des objets ou des trucs comme ça. La merde, c'était pas de l'eau buvable. J'ai plus de l'eau pas buvable. De l'eau buvable. Bah, de l'eau non potable quoi, l'eau salée. Ah, par contre, il y en a des bordels dans ces coffres. Bah, tiens, gros, va. Pas pour raconter, c'est vraiment les fondations armées. Mais là, par contre, il nous faut des. Bah, du fer à gogo. Gros, il y a du poulet là qui dépasse ici, il faut que tu le prennes. Il va disparaître dans la casse là, dans la petite casse là, ici là. Ok. J'ai encore un bout de poulet à faire cuire. Hein. Faut que je note comment on fait pour faire un truc d'eau avancé. Ah oui, ce que je voulais regarder tout à l'heure, attends, regarde. On ne peut pas, non? Ah si. Faut du verre. On en a dans les coffres, non? Ah, il m'en manque un, on en a que 3. J'en ai un. Tu sais, t'avais fait les gobelets. J'en ai un. Let's go. Vas-y, ramasse-le. Vas-y, je le fais. T'as ce qu'il faut pour le reste? Parce que moi, j'ai tout le reste, si t'as besoin.
Non, c'est bon, bah donne le bout de verre. Mais il est là, il est là. Ah, il est là. Vas-y, vas-y, fais-le à côté, fais-le à côté. Genre devant, genre ici. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Non, mais en fait, y'a ton poteau qui fait chier. Ah, mets-le en gros, y'a de la place. Ça va rentrer là. Et donc, à quoi sert le seau? Peut-être que les verres là. En fait, c'est la lumière à travers le verre qui fait bouillir l'eau. Du coup, l'eau elle va bouillir toute seule. Y a pas besoin de. Ça, c'est nickel ça. Plus besoin de bois pour l'eau. Oh! On va commencer rapide avec le truc. Ouais, mais c'est ça, c'est un travail d'équipe. Ah, moi, ça le fait des gardes pires, mon machin. Du coup, là, avec la journée et tout, vu qu'on l'a mis à l'ombre, ça a marché, quoi. Ah, je pense qu'il n'y a pas de. Ah, mais on en a déjà. Ah, ouais? Ah, putain, ouais. Ah, oui? Putain, mais on en a en quantité en plus. Mais je sens qu'on va oublier de le remplir, hein. C'est obligé. Ah, mais c'est sûr. Par contre, j'ai tellement de bouffe kit, c'est indécent. Tiens, récupère de la bouffe kit. Récupère de la bouffe kit, gros. Là, 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 là. Attends, attends, mais il faut que je refasse cuire aussi là. Mais c'est normal, l'eau elle va se créer en permanence en fait. En fait, l'eau avec le verre elle va s'évaporer, faire de la condensation et atterrir dans le gros seau. Mais par contre, vraiment, le fait qu'on ait plus besoin de bois pour l'eau, ça carré de fou. Parce qu'on consommait énormément de bois en fait. C'est ça, le bois, on en a plus besoin pour agrandir le radeau et faire de la bouffe. Sympa. Hop, oh, en un coup de lance, je tue le. C'est pas le pigeon, mais le truc, du coup, on a beaucoup de. Non, mais. Oh, mais mec, la rapidité. Regarde, on en a encore. Et t'inquiète, gros. Vas-y, laisse-le faire, laisse-le faire. On aura plein d'eau en réserve. Justement, là, je le prends pour faire. Pour arroser des plantes et tout. Genre et tu sais que là, on peut limite les enlever, hein. Les deux trucs là. Là, eux, je vais les vider de leur eau normale. Puis on les touche plus, hein. Franchement. Bah, retirer. Ça fait rien les toucher. Hein. Bah, si on peut faire un truc un peu plus épuré, en vrai. On va les mettre là. Lui, prends l'eau qu'il te faut, prends l'eau qu'il te faut et je vais le décaler pour qu'il soit un peu mieux. Oh, c'est bon, ouais, j'ai pris. Hein. Je suis full de partout. Ouais, je t'assure, c'est trop, on a trop de choses à faire cuire, à faire. Faut qu'on se crée un coffre spécial bouffe. Ouais, je trouve ça tellement plus épuré comme ça, là, qu'on s'est posé comme ça ici. Là, ça nous libère de l'espace là pour faire des trucs. Pareil, les plantations pourraient les décaler tout à l'heure. Mais tu vois le gros carré de terre là pour les arbres. Tu sais, là quand je vais agrandir le radeau, tu laisseras un trou où genre il y aura juste l'arbre qui va dépasser. Mets-le là, mets-le là, place-le ici là dans un coin là. Comme ça, j'aurais bien vu genre ici là, plus au milieu en fait. Non, mets-le dans un coin. Mets-le dans un coin, mets-le dans. Là, là, dans le coin ici. Soit, ça revient même. Comme ça, je le vois. Tu vois, je le vois et quand je construis mon radeau en haut, je le vois et je l'esquive. Yes, nickel. Ah bah là, pour le voir, tu vas le voir. Hein. Putain, mais il fait deux étages en fait, le truc de haut. C'est aberrant en fait. Oui, oui, il fait deux étages. Je graille un peu. Hein. Non, tu l'auras pas. Bien. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, faut que tu aies à grandir le radeau. Oh, planche. Ouais, on installe des filets aussi un peu de partout. Bon, on en a mieux, hein, ça va. Ouais, mais tu sais qu'on aura un peu terminé de l'agrandir, tu sais, sur les rebords là, comme ça.
parce qu'après un moment on va aller en hauteur. C'est vrai que toi, tu l'as grandi que d'un côté, on regarde de ce côté là, il y a masse truc, alors que du côté là-bas, du coup la voile elle est plus du tout centrée, contrairement à ce qu'on voulait faire. Ouais, non, mais justement, c'est pour ça là t'as vu, j'ai commencé à grandir ici là. Ah, j'avais pas vu. Sorry, my bad. Mec, t'as combien de plastique là, parce qu'il me faut masse plastique. Oh. Vite, merde. Y'a un radeau là-bas. Plastique, j'en ai 11. Tu les veux, vas-y, prends-les. Ah, il me faut tout. Je les ai posés, ils sont sur le radeau quelque part. Là. Ah, d'accord. Regarde, là. Là, tu vas te mettre bien là. Parce que ça part tellement vite le plastique, c'est un truc de fou. Regarde gros, allez, c'est moi qui l'ai vu, donc c'est moi qui saute sur le radeau par contre. Tu sais que j'avais vu avant toi et premier degré j'ai vu avant toi, mais genre je l'ai pas dit parce que bah dans tous les cas on fonçait dessus. Bah fallait le dire. Pourquoi tu ne dis jamais rien? Toujours bah écoute, en tout cas on allait aller dessus, je me suis dit bon, c'est pas grave. Ouais, bah fallait le dire, du coup t'as pas de preuve, donc c'est moi qui vais, let's go. Est-ce qu'il y a le requin? Non mais si, écoute. C'était si content. Je veux y aller. J'ai un enfant. Il va se faire bouffer par le requin, tu vois. Non, je vais plus vite que t'as le de la requin. Chance. T'as de la chance, il était occupé avec le radeau. Oh, par contre, il commence déjà à couler. En fait, bah déjà, il y a plein... gros, arrête le radeau. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu ramasser. Mon inventaire, il est full. Ouais, mais tourne la voile. J'y vais. Attends, j'essaie de le distraire. Et j'ai récupéré. C'est bon, je suis là. Comment c'est la merde d'avoir un inventaire plein? J'ai l'impression d'avoir les mêmes problèmes que dans Minecraft en fait. Vraiment. Je vais aller vider mon inventaire. J'ai de la boue de requin. Oh non. J'ai plus de coups. Bien. Ah, ça pleut. Il pleut. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Oh, oh, oh. Exactement, gamin. T'as fait un sac imprimé, tu l'as étudié ou pas? Non. Tiens, étudie-le. Ouais, je le fais. De toute façon, on doit le faire, hein, donc je vais le faire. Fais-le! Just do it! C'est étudié. GG, BG. Du coup, maintenant, je garde toujours de l'eau et de la bouffe sur moi, vu qu'on peut se le permettre. Bah du coup oui. Donc on irait à une île si on a des graines de d'arbres, ce serait très utile. Genre cette île? Ouais. Bah. Ah, y'a un requin. Salut. C'est normal qu'il y a un requin. Tu crois qu'il m'a vu, genre? Bah, la logique des choses, oui, hein, vu comment à chaque fois il nous chasse. Ouais, il évacue. Hein. Le bougre, toujours choqué par les. Par contre, j'hallucine, hein, y a des poissons qui sont tout petits. Ils puent la merde.
Ah, je crois qu'il m'a vu là, je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu, ouais. Je confirme, ouais. Les gars, vous pensez qu'il m'a vu? Moi, je suis pas sûr. Faites un don de 30 euros si vous pensez qu'il m'a vu et de 170 euros si vous pensez qu'il m'a pas vu. Oh, je viens de planter une graine de mangue dans le truc à arbre. Ouais, là, il y aura un tout petit arbre. Bon, on va attendre qu'il grandisse, hein. Il est tout petit cet arbre, il est tout petit. Et si tu observes les plantes, c'est très marrant parce qu'en fait, c'est. Là, c'est un arbre, mais genre un arbre, genre. Ah bah, c'est la texture de l'arbre fini, tu vois. Et juste, c'est que. En fait, il grossit, mais genre, juste, c'est il fait un x2 à chaque fois, tu vois. Bon, je vais sur l'île, souhaite-moi bon courage, bonne chance. Amour, force et honneur. Essaye de dévier le radeau hein, pour que je meure pas. Ou bute le requin, débrouille-toi. Hein. Oh. T'as du bois sur toi? Mais je suis en train d'en récupérer là dans l'île. Mais en fait, il m'en faudrait pour faire une ancre. Pour vraiment être tranquille en fait. Mais elle est pas assez grosse cette île, elle est toute petite. On est pour 2 secondes à la vider. Oh putain, il y avait des charnières et tout. Ouais, mec, on a eu chaud, le requin. Faut que tu viennes tout de suite. Pour réparer un truc, parce qu'en fait, le requin, il a attaqué au niveau de l'endroit où il y avait le... d'eau. Au niveau de l'endroit où il y avait le truc d'eau. Bah, le machin pour l'eau, là. Le machin pour faire de l'eau? Et il est si proche du bord que ça? Oui. Oh, il est vraiment, genre, sur les derniers. Non. Non, je vais mourir. Hop là. Vas-y, du coup, je l'ai enlevé. Il était là, là. Et je l'ai enlevé, du coup. Ouais, bah... Écoute, agrandis. On va agrandir. Bah, refais le truc propre, parce que moi, j'ai plus de bois. Ouais. Là, il est propre, à peu près. Non. Si, il est à peu près propre. Il a 90% de santé, c'est bon. Mais j'ai pas assez de plastique pour faire le truc. Tu veux un peu de bois? Ou toi t'as du plastique? Tu en mets un derrière, genre. Ouais, fais une rangée ici, essaie de faire une rangée de bois ici, là. De côté. Parce que je comptais faire justement agrandir, mais là, j'ai pas assez, j'ai rien. Donc faut vraiment enlever la voile et se faire laisser guider pour avoir un maximum de ressources. Et c'est bon, let's go! Les liberties des amis. Faire un étage, ça consomme tellement de bois. Mais c'est comme le truc de l'arbre là. S'il casse un machin, on a plus le machin de l'arbre. Ouais, faut qu'on surveille. Ah ouais, la texture elle grandit en fait en. T'as vu? C'est la même, juste la texture qui grandit. T'as mis des pastèques ici. Tiens, t'as du bois encore ou pas? 2. Bah pour ouais tout faire tout là. J'ai mis les 2 là. Et y'a un truc sur le côté. Mange-moi. Bah, vas-y, mets-toi pour voir à quoi ça ressemble. Mets-toi dedans pour voir à quoi ça ressemble. Accroupi. Mange-moi. Recule un peu. Problème, salope. Recule un peu. Ah, il s'est barré. Bon. Allez, dans l'assiette. Attends, j'y vais. Vas-y, hop, approche-toi un peu. Voilà, ouais. On arrive sur une autre île, wesh. C'est bien ça. Comment ça, mon ref? Le plastique! Oui! Putain, jamais été aussi heureux toute ma vie de voir du plastique. J'adore la pollution des eaux. Comme cette magnifique bouteille cristalline en plastique, voilà. À ne pas jeter dans la mer, mais à jeter dans vos mers. Toi, ça se voit, tu veux trop garder tes viewers.
Ça, c'est vraiment une phrase de TK98. Non, j'ai oublié son pseudo. Bon, t'es The Kairi. Bah, The Kairi. Mais The Kairi, c'est 98, je crois. Oui. Ah, le bâtard. Non, 78, je sais plus. Je sais plus où. Ça, c'est vraiment. Tu sais qu'il a vraiment gardé son prénom à l'ancienne. Hein. Et il fait toujours des lives, mais là, il a été accusé de viol, là, récemment. Et il a gagné le procès parce que bah, c'était juste des haters qui voulaient le voir couler, quoi. Même pas qu'il avait été accusé de viol. J'étais même pas au courant. Moi, je me baladais sur TikTok, je tombe sur lui qui fait non, mais les gars, j'ai pas envie de revenir dessus et tout. C'est en mode ah, triste! C'est triste, putain, c'est triste! Je m'en bats les couilles. Mon jeu d'acteur sur 10, on note? On note ou. C'est que même moi, en soi, on s'en bat les couilles, mais si un jour ça nous arrive, on s'en rattrape plus les couilles. Non, mais c'est bizarre ça! Ah bon? Ça m'arrive, on m'en bat les couilles! Ah oui, d'accord, donc toi, le viol, bah les couilles. Ça part dans Bah. des sujets, mon ref. Esquive le sujet, frère, esquive-le. Comme t'es Bon, comme mes le mec délires. relou dans la cour de récré, tu l'esquives. Bon, J'ai tu une peux encre. ralentir le radeau quand même, s'il te plaît, un petit peu. Non, mais Ouais, j'ai jeté une encre. t'avais pas besoin de jeter, de gaspiller une encre pour une île aussi petite. Gros, il n'y a même pas de caisse sur cette île. On pourra même pas faire de case opening. Je m'en bats les couilles. Là, il y a des palmiers, je vais voir si je peux pas Et récupérer. vu que t'as acheté une encre, au moins fouille les fonds marins. Fouille les fonds marins, quoi. J'ai envie de te Non, dire. mais ce que j'allais. Il faut pas croire, hein. Là, j'ai tout fouillé, mon ref. Là, j'ai dû jeter une encre. Oh, j'ai du sable. Pour récupérer des minerais de métal et tout, surtout. Hein. J'ai de l'argile. Mais c'est où qu'on les a récupérés déjà les minerais de métaux, je sais plus. Mais c'est au fond de l'eau, c'est au fond de l'eau, c'est pareil. On a eu tort? Oui. C'est des sortes de vieux tuyaux, un peu. Ça ressemble à ça. Non mais des minerais de métaux, pas du métal. Là, je parle de vraiment des minerais pour avoir des lingots. Mais oui, c'est tu fais fondre des trucs de métal. Tu fais pas fondre de la ferraille. C'est pas ça le procédé? Bah non. Ah ouais? Non, tu peux pas. Là j'ai de la ferraille, là j'en ai plein. Et j'ai plus de. Bah tu peux essayer, Oh hein. non! Moi je suis devant le truc, hein. Je peux pas mettre, hein. En fait, Oh non! c'est vraiment des. Comment J'ai ça s'appelle? plus mon crochet. Bah là. Qu'est-ce qu'il faut pour en faire, hein? Bah du bois. Et. Du Bah je sais pas, basique. regarde. Allez, j'y retourne. Mec, oh non, j'ai perdu son crochet 2 secondes après. Ah, ça y est, je l'ai. Yeah, j'ai vu le requin de proche. Bon, ça va, il est sur toi. Saloperie. Oh, j'ai une palourde géante. Ouais, mais ça sert à rien. Si, on peut la faire cuire. Ah ouais? Bon, on fait cuire les palourdes, non? Tu vas Savais pas pas me qu'on dire que pouvait faire les cuirs. ça se fait pas cuire une palourde. Que si. Tiens, là il y a un oiseau mort, j'arrive pas à le récupérer si tu arrives. Je sais pas pourquoi. Tiens, viens récupérer un macro cuit là. Je crois qu'il y a un problème, il faut plus récupérer les trucs. On a trop fait aujourd'hui, frère. Redéso, j'ai eu la flemme de redémarrer ma tablette. Let's go. C'est pas bien d'avoir la flemme. Putain, je sais même pas comment on peut utiliser la palourde géante. On démarre ou pas? Bah non, il y a plein de trucs à fouiller dans les fonds. Puisque là, j'ai dû faire une pause parce que j'étais plein, mais il y a plein de trucs à fouiller en fait. Ouais, mais en soi, y'a pas besoin de tout fouiller à fond. Si, oh. Quoi, la palourde géante, c'est déjà étudié? Une grosse palourde. Bah Et ouais, j'ai déjà qu'est-ce qu'on peut en étudié, moi. faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette palourde? Je sais pas.
La plantée, non? La plantée, mon ref, t'as cru que c'était une plante ou... T'as cru que c'était une plante ou... Le gars, il me sort, j'ai planté une palourde. Ça va. Hein. Ils ont tous le droit de débuter. Hein. Non, mais il y a débuté et débuté, mon gars. Oui, bah, moi je débute. C'est pas bien de buter les gens parce que après ils sont morts. Ah, je crois qu'il m'a vu le requin. Je sais pas, il me regardait et il fonçait vers moi. Eh oui, tac tac tac. Oh, j'ai pas attendu à arrêter le stream aussi. Ah, le petit Gab fatigué, le petit Gab fatigué. Ça y est, le petit Gab il perd le rythme. Et là, il, maintenant qu'il s'est mis à bosser, il comprend ce que je vivais là quand il était en pleine forme. Ça y est, let's go. Bah frérot, je sais ce que c'est le boulot, t'inquiète pas. Hein. Tu le sais. Hein. On sait, on sait. Je suis en train d'abattre ton arbre, hein, ça te dérange pas? Oh, il a abattu l'arbre quoi. Et c'était où tes graines de manguier? Oh là 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 là. C'est pas incroyable ça. Hein. On a 6. Putain, il va casser un truc le. Oh. J'ai pas assez de plastique. I don't have plasticole. Faire quoi? Bah pour réparer. Non mais il nous a cassé le truc. Ah, ah bon, on reconstruit. Bah du coup non. N'empêche les gars, c'est une énorme dinguerie, là j'ai tout bouffe et eau, c'est au max du max du max du max. Ah toi aussi. Oh, c'est une énorme dinguerie, là on est à l'aise. Là on est bien. Est-ce que vu que t'as envie d'arrêter, on part vers l'horizon? Mmh. Allez. Et on part vers l'horizon, et une fois qu'on cette île disparaît de notre vue, on quitte le live, genre on arrête. Bah hein? Ouais, on va arrêter tranquillement. Un pas lourd. Ah ouais, genre il a le pas lourd, genre quand il marche, c'est lourd. Toi qui as sorti cette blague ou... Non, c'était dans le chat, gros. C'est Matt oublié. Bat, je t'aime bien, hein. Mais t'es nul la blague. Pas de patrouille, pas de patrouille. Oh, oh l'angle de vue. Oh il était incroyable. Je te voyais à travers la voile fermée. Je te voyais à travers la voile fermée. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, la proba les gars, la proba elle est folle. La proba elle est folle, je veux revoir ouais, l'action, ouais. Je revois l'action avec le délai du stream. Et on qu'est-ce enregistre. En gros... T'es quand va t'asseoir dans la baignoire. Assieds-toi dans la baignoire. Viens. Viens t'asseoir dans la baignoire. Quand tu regardes dans la voile, tu peux voir dedans. Et toi, au même moment, t'étais là. Genre la proba pour que toutes ces circonstances soient réunies. Ouais. D'un coup, genre la voile était bien tournée avec toi de l'autre côté. Tout c'était incroyable. Une dinguerie. Moi, je me mets sur mon fauteuil. Et allez, je regarde partir l'horizon. Non, gros, moi j'arrête pas le live tout de suite. Hein. Moi, je. Après, là. Après, quand lui il sera parti se coucher, on va aller faire du BMNG, gros. Ah ouais? Bah ouais, moi je suis pas en forme. Genre, je suis pas fatigué, tu vois. Moi j'ai pris le rythme, ça y est. Je l'ai, moi, le rythme. Ma mère, t'es en train de me hyper. Mais tu sais qu'en vrai, genre, je me dis. Tu sais que, genre, là, je suis vraiment en train de me dire, vas-y. Genre, tu sais, je prends juste mes précautions pour pas être fatigué. Mais en soi, par contre, on en parle, j'arrive plus à descendre. Et genre, je prends mes précautions pour pas être fatigué, mais en soi, les autres jours, je me couchais à minuit, hein, donc en soi, je pourrais restreamer encore une heure. Allez, Gabi, tous ensemble, les gars, dans le chat, Gabi. Bah, si on stream encore une heure, on va sur notre jeu ou quoi? Oui. Dès que l'île disparaît de notre vue, là. Bon, on t'en...
Autant partir maintenant. Allez. Attends, sauvegarder d'abord. Voilà. Ça quitte. Putain, c'était des caméras. Oh là là. Oh. On fait quoi comme jeu, gros? On fait quoi comme jeu? J'ai vrillé, je sais, j'ai vrillé. On avait 10 buts de jeu, donc. Ouais, mais j'ai pas mon volant là de brancher, ça me fait chier. Bah, on fait quoi alors? BMNG. Ah bah. Je te dis BMNG, tu me dis non, j'ai pas mon volant branché, on fait quoi alors BMNG? Ok. Marqué. On finit en drift. Même pas de point d'exclamation, juste un point. Ah, merde, j'ai marqué quoi? Pour le titre, je change de titre, monsieur. Quoi pour le titre? J'ai marqué « On finit en drift ». BMNG... J'ai mis « La fin en beauté ». Voilà. La fin en beauté, frère. Il y a 36 spectateurs actuellement sur BeamNG, donc de gens qui regardent... Excusez-moi, je suis en train de m'ambiancer. Je lance le serge, du coup. Ouais, oh, ta mère, attends, je suis en train de lancer BeamNG, mais il faut que je lance BeamMP, je suis une bite. C'est bien de lancer BeamNG, mais il faut BeamMP. BeamMP... Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. On danse tous ensemble. Il y a Matt Oublié qui fait Gabi. Ouais, Gabi. C'est moi. En fait, il a rajouté une majuscule à chaque fois qu'il a écrit Gabi. Du coup, il peut l'écrire que 5 fois. Alors que Rod Dogs, il pourra l'écrire beaucoup plus de fois s'il met une majuscule à chaque lettre. Refais-le avec Rod Dogs, Matt. Le gars il s'aime trop, ça se voit, le boob il s'aime trop. Gros, oh, attends, c'est abusé. À partir du moment où j'ai fait une casquette avec marqué Rod Dogs en gros dessus, tu veux que je dise quoi d'autre? Attends, frère, mais frérot, la vie de ma mère, faut que tu m'en apportes une un jour, faut que je la vois. Que les gars, vous savez pas, mais ce taré là, il s'est acheté ses casquettes. Ce taré là, il s'est acheté ses casquettes, il les a, ses propres casquettes. Mais je les ai, gros. Il est en train de le faire. T'es en train de le faire, Matt Oublié, c'est un génie. Je t'aime, Matt Oublié. Aïe, aïe, aïe. Rod, Dex, Rod... Mais il a mis un cul à la place du A. Il s'est foiré. Ça se voit, il a voulu écrire vite. Voilà. Rod, Dex. Je m'aime trop, c'est possible. Le serveur est lancé ou pas? Oui, le serveur est lancé, bien sûr. Alors, c'est peut-être pas la même adresse IP que la dernière fois. Là, j'envoie plus dessus et. Mais je mets l'adresse IP et il me dit. T'inquiète, je te la renvoie. Y'a pas de soucis, ma gousse d'ail. Ah oui. Ça fait du bien, gros, je sais pas pourquoi. Il fait pas chaud dans ma chambre. Yes, m'a oublié, merci, oh, merci. Il l'a fini d'écrire Rodox. Je sais pas pourquoi, gros, il fait pas chaud dans ma chambre. Genre, il fait pas plus chaud que ça. Et du coup, j'ai une eau fraîche pour une fois. Genre, quand je bois mon eau en stream, elle est chaude. Genre chaud. Tu vois? Et là, elle est froide. Ouais, et du coup, là, c'est agréable. En tout cas, je me rafraîchis, en fait. Ah, ok. Ah, d'accord. Mais t'es juste pour le mauvais truc. D'accord. Ok, je vais vous mettre... Oh, ça fait du bien, quand même. Ah, je vais voir du coup, est-ce que ça a bugué sur... Ok, ça marche. Allez, je vous mets le jeu. Oui, mais je sais que vous voulez voir le jeu, mais je voulais m'assurer que ça marchait avant de vous montrer quand même. Je vérifie la qualité tout de même. BeamNG. Puis... Ah. Attends, c'est peut-être parce que... Allez, let's go, c'est parti. Thank you.
Ça c'est la voiture de Necro. Ça c'est la voiture de drift de Necro la dernière fois qu'on était sur le Nurb. Il m'a filé celle-là. Attends, moi je suis en train de me poser. Le vieil. Pourquoi gros? Pourquoi? Pourquoi t'es vieux? Je suis un vieux. Oh, mais gros, on dirait tellement moi mes premières journées de boulot. Genre j'avais mal partout, frère. J'avais mal partout. Voilà, problème avec un Necro. De quoi? Problème de la voiture de Necro. Mais ouais, elle est magnifique. Et puis elle drifte pas trop mal, ça va. On va se garer. Oh, je bug sur BMG. Après, peut-être parce que BMG prend beaucoup de processeurs et que t'as pas ton double PC. Effectivement. Et fait que ti. Heureusement. Mais ça me casserait un peu les couilles du coup. Après, fuck la qualité du stream, hein. Tout pour le fun. Bah, après, quand même. La logique des choses, je suis censé avoir un minimum de qualité si je veux attirer du monde. C'est pas entre 22h et minuit que tu vas attirer du monde, hein. C'est pour le fun qu'on fait ça. Hein. Oui, bah, c'est sûr. Pourquoi on prend quoi des voitures de drift? Bah, moi je me fais kiffer, vu que je suis clavier-souris, c'est plus facile de drift, donc je me fais kiffer. Hein. Moi je vais prendre un diesel pour drift, attends, je vais voir si ça marche vraiment. Bien sûr que oui, gros. Et tant qu'il est propulsion, ça drift, hein. Même une électrique, hein, si tu la mets en propulsion, elle drift. Ouais, mais c'est quand même diesel, frérot. Que tu vois beaucoup de gens drift en diesel. À part la boiserie. Bah, c'est déjà pas mal, vu le nombre de fois qu'il l'a fait, ça compte plus que pour toute la France entière, donc... Mais elle claque des drifts sa voiture à Necro. Enfin, en soi c'est moi qui les claque grâce à mon talent, mais c'est un peu sa voiture quand même. Grâce à mon talent. Aucune prétention, hein. Non, 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 franchement ça se voit que t'es une personne... qui n'est pas prétentieuse. Ouais, ouais, qui n'est pas prétentieux, qui a l'écoute des gens, qui... Vraiment, ça n'a aucun rapport par contre l'écoute des gens, mais si tu veux. Généralement, les gens prétentieux sont pas trop à l'écoute des gens. Ah ouais, ouais. Au final, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, donc. Bah, exactement ce que je disais, tu vois, voilà, voilà. En cinquième. Et où? Wow! Wow! Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, hop, 3-6, 3-6. Ça bug pas le stream. En fait, non, non, le stream il bug pas là, ça va. Bah, ça y est, maintenant il va stream en mono PC. Le stream en quoi? En mono PC. Mais t'es parti ultra loin, toi. Vous avez rien vu, les gars. Donc, imaginez là, vous êtes là, vous sortez de votre autoroute à 40 km/h. Comme c'est préconisé. Et là vous dites, attends, bouge pas, tiens ma bière, hold my beer. Regardez, attends, il y a une M-Star, qu'on sait qui drift. Oh c'est beau. Oh putain c'est beau. Ah mais je suis foiré moi. Ouais bah je t'ai pas vu, moi j'étais concentré sur mon drift parce que là il était beau, hein. C'est pour ça que Necro il fait des bons drifts en fait, il prépare bien ses bagnoles Necro. Je sais pas comment il fait, mais c'est un préparateur de bagnole, mon ref, laisse tomber. Mais c'est, ce qui est cool, c'est que sur sa voiture de drift, il y a des chevaux, mais genre pas trop, tu vois. Et toi, mon ref, fais gaffe, t'as vu comment je t'ai esquivé? Mais gros, c'est que je vois toujours pas ta voiture, hein. Vu que je me suis pas arrêté depuis tout à l'heure, je te vois pas, je vois juste un point.
Ouais, ça c'est que pour moi, mon ref. Je t'ai esquivé des CP. Le mouvement devait être beau. Oh, attends! J'ai oublié de faire un clip du drift que j'avais fait parce que je l'avais trouvé beau. Faudra que je le retrouve. Arrête un moment ou... Vous le trouvez comme moi le drift, beau. Mais il sait plus quoi dire, il sait plus quoi dire, il a abandonné. Non, tu me dis même pas écouter en fait. Pour tout te dire... Bah tant mieux, vraiment t'aurais pété ton crâne, si tu m'avais écouté t'aurais fait mes fils de pute. J'ai dit, je l'avais trouvé comme moi le drift, très beau. Oui, je sais plus quoi dire. T'as quoi, t'as 385 chevaux dans sa caisse? Merde, j'ai calé. C'est qu'en fait, le gros souci de cette voiture, c'est qu'elle a très peu de couple. Bah là, tu sais, t'as 365 chevaux, t'as 370 newtons, faudrait que t'en aies 450, quoi. Bah surtout, faudrait que je l'ai en bas, le couple. Parce que là, j'aime le couple, je l'ai en haut, en fait. Mais je l'ai pas en bas. En bas, j'ai rien. Donc, tu sais, sur les reprises de drift en bas, c'est chaud. Donc, je vais prendre une diesel. T'as le châssis, hein. Oui, j'ai le châssis, mais bon, ça, on s'en fout du châssis, hein. Donc on va prendre la 310D. Juste aller m'assurer que la boîte est bien configurée. Engine. All wheel drive, fils de... Pardon. Rear wheel drive. Front suspension. Ok. Voilà, j'ai soudé le train arrière de ma voiture. Donc là, elle devrait drift comme jamais. Une version de drift de celle-là, ah si là. Où est-ce que t'es? Au début. Ah oui, t'as vraiment un diesel, oui. Je me demandais, mais... Qu'est-ce que ça fait de drift en diesel? En vrai de vrai, c'est un peu merdique. Hein. Moi, ça manque de jus. Ça manque de jus. T'as vu quand je te disais que c'était merdique? Alors, il y a du couple, c'est l'avantage. Mais il y a du couple, mais au détriment de beaucoup de choses, en fait. Par exemple, t'as des chevaux. Coup, mais en fait, t'as pas. Ouais, c'est il manque du chevaux, quoi. Prendre celle-là en drift, elle faisait des beaux drifts dans mes souvenirs. Non, moi, celle-là qui j'arrive vraiment à drifter, c'est. C'est la ETK. T'as pas la ETK, je pense. Oui, mais il a pris la même que la mienne. Ça va, mon copier, comme ça? Oh, c'est celle... C'est toujours celle que j'utilisais pour drift, hein. Mais quand moi, je prenais la Ibishu 200BX, tu prenais plutôt celle-là, toi. J'ai toujours pris celle-là. Mais celle-là, elle est cool pour les drifts à haute vitesse. Et puis, elle a du couple, elle, hein. Elle a 645 tonnes, frérot. Bah, le drift en quatrième, donc oui.
aussi du chevaux. T'en as 450 chevaux. Et avec l'autre, t'en as 350. Mais 350 dans la version de Nécrou, hein. C'est dans la version d'origine, j'en ai 200, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. On se joue un endroit pour drift. Je suis en train de faire des drifts arabes sur l'autoroute. Merde. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, il est là le problème. Oh, gros, t'as déjà levé le capot de ta voiture de drift ou pas? Je sais pas. Je crois que je vais l'ouvrir. 2JZ. Ah oui. Avec le monoturbo sur le côté. Putain, je me suis brûlé le coude cet après-midi sur le toit et c'est affreux, ça fait très mal. Faut savoir. Bon, je t'attends. Il y a ce que tu veux pas aider sur toi. C'est les meilleurs drifts sur l'autoroute. Et puis, je t'attends, le gars, il est en train de drifter à 150. Je suis à 180 déjà. Non, excuse-moi. Prends la sortie ici, t'as un virage après. Oh, j'ai fait un 3-6. Ok. Je suis très concentré là, les gars. Qui a juste mis 3 petits points. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Matt? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, certes, là, le drift était pas très beau, mais celui-là va rattraper. Voilà, lui, il est beau. Le petit Matt qui met 3 petits points, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est sur le grand virage. Le drift, il faut passer en 5e. Oui. C'est ce que j'ai fait, pourquoi? Parce que moi j'étais en 4ème, après j'ai mis la 5ème, j'ai fait accident. Salut collègue! Ça va et toi? Bah ça va, ouais. Tranquille. Moins bien que mes potes avec du plâtre au poignet, mais sale bâtard. L'autre, il a cru que j'avais le niveau de Nécrou en drift. Ça m'a blessé au plus profond de mon cœur, gros. C'est faux. Là, on va sur le circuit. Ouais, parce que là, en fait, on s'éloigne, frérot. C'est... Il n'y avait pas une version de drift de celle-là à l'époque? Si, drift. J'arrive sur circuit avec une voiture de drift aberrante. Ah bon, moi aussi j'ai un problème, ça va me changer. Elle, c'est plus à basse vitesse, elle. Elle, c'est à basse vitesse. Alors, attends, dis-moi. Faut qu'on prenne la même. Moi, c'est une OTK. Vu le bruit, oui. Non, moi je vais vraiment prendre la Lada. Une fois qu'on va chercher. Je pense que c'est pas vrai. Oui, drift IRL avec une M3 et custom. Bah écoute, on n'a pas tous riches, hein.
Je drift dans une ETK E-Series. Bah, lui, il a déjà drift dans une M3. Non, c'est, il dit ses potes, ils driftent dans des M3. Après, ah. Après, eux, ils driftent dans des M3, moi, j'ai déjà conduit une M4, donc voilà. Bah, moi, j'ai pour ouvrir un RS3. Tu l'as pas encore fait. Je l'ai conduit. Oui, t'as dit j'ai conduit. Ah merde, non, bah je vais conduire. Ça, mais tu l'as pas encore fait, donc hein. RS3, 400 chevaux, 7 cylindres en ligne. C'est pas mal. T'as vraiment dit 7 cylindres en ligne? Non, 5 cylindres. Oui, parce que 7, c'est bizarre. Bah après, les 8 cylindres en ligne existent. Ouais, mais il y a bien des V8, donc c'est logique, c'est un nombre pair, tu vois. Déjà 5 cylindres en ligne, c'est bizarre. Bah, c'est, les 3 cylindres en ligne, ça existe, hein. C'est pas un nombre pair. Hein. Ouais, mais je sais pas comment ça fonctionne sur un moteur 4 temps, 3 cylindres, c'est instable, non? Non, mais justement, c'est qu'il y a cette instabilité, il y a des règles, j'ai vu une vidéo sur ça, et justement, il y a une instabilité, oui, et je sais plus comment, mais genre, ils ont une technique pour le régler, en fait. Le volant moteur, frérot. C'est pas ça, mais. Ouais, je pourrais faire le drift qui dépasse frauduleux. Ouais, frauduleux, mais ça passe. Oh! Oh lui! Oh non! Oh si, si en vrai il est passé, si en vrai il est passé, les gars, approuvé ou pas? 3-6. On est content que voiture de drift. Quelle est une version de drift de la Autobello Piccolina? De la non. Autobello Piccolina. J'adore la version Barra. J'arrive et tu dis, moi je vais prendre la Barra, t'es en mode oula. Un de mes potes ou son daron a une Bentley W12. Ouais, mais voilà. Après, bon, tu pars loin. C'est le daron d'un pote à un truc W12 où tu sais, gros, que tu es à 7 contacts de n'importe qui. Alors, en théorie, je suis à 7 contacts de The Rock. Alors, lesquels? Bonne question. Mais en théorie, je suis à 7 contacts de The Rock. J'adore. Lesquels? Bonne question. Je vais prendre une ETK aussi pour le drift. Une voiture que vraiment on n'utilise pas souvent. Est-ce qu'on va vraiment pas lancer? Je sens qu'elle est pas vite pour le drift. Et en quatrième, elle drift trop bien, j'ai juré. En quatrième, elle drift trop bien, la ETK. Hein. Elle est compliquée, la mienne, parce qu'en fait, genre, faut vraiment balancer l'arrière pour drift. C'est très spécial, en fait. En fait, genre, on sent qu'elle... C'est pas oh, l'entrée au stand. C'est une voiture faite pour accrocher, regarde. Merde. Là, ça, c'est juste, ça accroche. En fait, si t'as pas les chevaux, ouais. Ça va pas drift. En fait, c'est très spécial. En fait, c'est que le châssis. Salut, gros! Ça va, tranquille? Ça va, gros? Ça va, tu te mets bien? Il veut pas répondre! Il veut pas répondre! Mais il a rage quitte l'appel ou quoi? Il s'est barré, les gars! Il s'est barré ou pas? Ah, j'adore l'eau! Il veut plus parler! Il veut plus parler, il a trop la mort! Il veut plus parler, il a trop la mort, ça me fume!
Elle est ta mère. À vous, tu y attendais pas du tout. Alors que j'ai vraiment dit il y a deux secondes, eh les gars, chut. Moi, j'étais dans mon truc, wesh. J'aime bien, mais j'étais dans mon truc, quoi. Je viens pas me faire chier, fils de. Eh, sale merde, va, tu sais. Eh, toi, t'es discuté, toi, sale, va. Je suis à 610 plus. Je suis déjà à 400. Au KLM, je suis déjà à 440. Oh, mec, viens voir ma voiture. Les gars, vous êtes prêts? Ça va être une dinguerie. Je pense que ça va être une dinguerie. C'est un tas de déchets. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont après la casse, les voitures. T'as vu, c'est une boule. Bon, c'est un cube. Non, mais tu sais que là, genre, j'ai des parties du châssis qui sont ailleurs. Genre, le moteur est ailleurs. La coque avec tous les le châssis et un cube, il est encore il est à l'autre bout. Mais avec clavier souris, je la gère trop bien cette voiture, je te promets. Et bah peut-être. Et bah le fait qu'elle ait un V8, je pense que ça m'aide beaucoup. C'est... Pourquoi t'arrives à la gérer? Ah bah le V8, hein. Oh le V8. Sans le V8. Voilà. Là je pense. Je pense que mon petit m'a oublié, là il est en train de prendre son seum parce qu'il m'a dit que je driftais mal et j'arrête pas d'enchaîner les magnifiques drifts là depuis tout à l'heure. Bon alors, le retour de karma instant évidemment, mais sinon c'est pas drôle, bande d'enculé. D'accord, c'est violent, bande d'enculé carrément, on retient les gars. On va le frapper hein, prochaine Paris Games Week, on y va, on le frappe. Oh les gars, imagine genre un jour je suis invité à la Paris Games Week. Genre. Et là, il m'a juste dit non dans le chat. Il m'a juste dit non. Vraiment? Imagine les gars, je suis invité là. Je suis pas à Games Week. Non. Ah bah super. Je crois qu'il y a trop de délai pour qu'il m'ait dit non pour ça. Je crois qu'il m'a dit non pour y prendre le seum. Je cogne tous les murs. On cogne tous les murs au nom de ceux qu'on aime. On laisse des messages pour les gens à venir. On cogne wow, tous les murs. La voix de casserole, mon gars. Attends, faut pas la The Voice. T'as vu la parodie de. Alors, attends, avant de dire ce que j'allais dire, juste tous les mecs qui participent à The Voice, là, The Voice Kid. Surtout The Voice Kid. T'es les gamins qui font The Voice là. Les balls qu'ils ont. Non mais. Non mais je crois qu'on a oublié de le souligner. Mais les balls qu'ils ont, les gars qui font ça. Déjà. Bah, genre, ils passent à la télé, les gars, ils ont 5 ans. C'est ça. Et surtout, genre, ils vont être jugés sur la manière dont ils chantent. Genre, faut avoir des balls de fou, frère. Bon, après. Moi, tu me juges, je te dis, attends, viens là, je te rentre, je te baisse tes bras. Tu vois, le problème, c'est que t'as plus d'un million de téléspectateurs qui te jugent en temps réel. Hein. Et j'aime bien parce que The Voice Kid, quand, t'es The Voice Adult, quand ils se font recal, juste, bah, t'es nul, dégage. The Voice Kid, quand ils te recal, ils font « Non, mais c'était bien, continue sur cette lancée, tu vas y arriver et tout, tu vois. » C'est voilà. Trop mimes. Il y a le nez, il s'est envolé. Ça y est, je vais faire 4 dégâts, mais bon, c'est... Je te monte dessus, frère. Le DV, je peux pas partir parce que plus j'ai le bac. Petite musique, voilà, tranquille. Moi je dis, les gars, on va faire des tours en V10, je pense. Tu m'attends pour faire les tours en V10, gros? Oui, je t'attends. Après, genre, c'est un petit V10 sans prétention, quoi.
Attends, j'attends de voir c'est quoi comme type de vélice. Ok, vas-y. C'est sans grande prétention, quoi. Est-ce que t'as plus de choix, quand même? Ouais, oui, bah ça c'est pas très difficile, mais bon, le reste, voilà. On verra comment j'arrive dans le virage. Wesh. Mais t'as pas été niqué, toi. T'as même pas été niqué. J'ai pris aucun dégât. Hein, mais gros, je t'ai frappé et tout, et du coup ça m'a dévié de ma trajectoire. Mais tu sais que pour moi, genre vraiment, t'étais à côté de moi et je t'ai vu partir comme ça, genre sans aucune raison. Ah, oui, oui, oui. Je me drift avec l'F4. Le plan est fou d'une M4 qui se fait poursuivre par une Formule 1. Oh, faut que je freine. Hop. Devant moi, ça me taré. Enfin, j'arrivais pas à freiner, du coup, je me suis arrêté net. Putain. Oh, j'ai speed. Moi j'ai fait un 3-6, j'ai fait un 3-6 no scope. No scope carrément. J'ai le temps de respawn. Il utilise là tout qu'il y a des suspensions, ce connard. Toi aussi t'en as, mais bon, elles sont tellement dures que bon. Merde, je viens de me manger comme une bite, je regardais derrière moi. Pourquoi je regardais derrière toi? Je suis devant toi, frère. Elle me pose pas de questions. Et là, déjà, je vais plus vite que ta VMAX. Après, ça peut éviter que j'ai fait trop de points de force comme ça. Vas-y, avance, inquiète. Non mais là vraiment je t'attendais pas là. Là juste bah elle est très lourde et du coup les virages faut que je ralentisse beaucoup. Moi je passe à 140, toi tu passes à 50. 90. Excusez-moi. Oh, vraiment les chicanes je les coupe. Pour essayer de garder un minimum d'avantage, les chicanes je les coupe. Comme un gâteau au chocolat tu vois. J'ai pas compris, en sport il passe les vitesses à 6000 alors que le record il a 8000. Hein? Mais c'est une automatique. Oui. Manuel, chaud au clavier souris, Manuel quand même. C'est vrai. Moi spin. Ouais, vas-y, repars. Tiens, oh, je t'ai mort. Tu sais qu'en deuxième, j'ai presque la même accélération que toi. Hein. Mais ça, c'est parce que je suis en boîte automatique. Je passe boîte manuelle, parce que là, c'est n'importe quoi. Il passe les vitesses, mais dès que tu commences à avoir des chevaux, il passe la vitesse, ce con. Batmo. C'est ça, j'ai des chevaux jusqu'à 8000 tours et ils passent les vitesses à 6000, cet enculé. Voilà, là, c'est moi qui passe les vitesses sur la boîte auto. Là, je suis à 260. Moi, je suis à 220, c'est déjà très bien. Hein. Là, je suis à 230. Ouais, 90 le virage. Pas plus. Je passe à plus de 100, moi. Après, imagine avec une F4, genre, j'ai plus de performance avec une M5. Ouais, une M5. Mec, j'arrive comme une balle derrière toi. Je pense que j'ai fait me manger. Du coup, j'ai dû bien ralentir, mais j'arrivais comme une balle, mon ref. T'es une balle de fusil à pompe. Bon, un sniper, là, mon gars.
Putain, la boîte de vitesse est si lente. Ah bah les boîtes de vitesse de cette époque. Valait mieux avoir une manuelle. Hein. Qu'est-ce que tu branles? Moi j'ai gentiment perdu le contrôle de mon véhicule. Bon, peut-être que je le cherche avec des coups de frein à main. Putain, mais laisse-moi mettre des coups de frein à main tranquille. Mais non, mais genre, j'étais derrière toi, genre collé à ton cul. Je te rattrapais, t'as mis un coup de frein à main, pour moi c'est comme si t'avais pilé devant moi. Ah ouais? Wow, 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 wow. Oh, je suis en train de perdre le contrôle, je suis en train de perdre le contrôle. Houston, Houston, Houston. Je suis désolé, gros. J'avais plus le contrôle de mon véhicule. Je te promets. J'étais là en train de faire des dérapages. Bah ouais, je vois ça. Regarde, moi, j'adore le virage, tu me freinais, je l'ai placé, je suis passé plein de balles. Pousse-toi face à ma puissance, enculé. Et moi, dans le virage, tu vas te pousser face à ma légèreté et mon agilité. Oh, j'ai freiné. Oh, j'ai donné tout ce que j'avais. Ah, c'est à 123 dans le virage, mon gars. Moi aussi. C'est que toi t'es pas allé loin quoi. Sauf que moi je suis pas passé en fait. Du coup c'est que sur un circuit, bah je te fume du coup comme la F4 est ultra agile. Pourtant t'as genre tellement plus de chevaux. Oh oui, 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 mais elle est tellement plus lourde aussi. Et la boîte est si nulle. C'est sidérant. Wow, j'ai fait du deux roues! J'ai fait du deux roues! Oh la dinguerie. Wingardium Leviosa. Oh, j'ai réussi à te suivre. Tu sais que je partais pour aller sur le grand virage. J'ai un problème au niveau de ma direction, ça tire tout seul à gauche. C'est vrai que ça c'est un peu dommage. Surtout qu'au volant ça se corrige, clavier souris c'est chaud. J'arrive à 120 dans le virage. Hop, je ralentis jusqu'à 80. Et j'ai plus d'accélérateur. Je sais pas, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur, ça marchait pas. Moi j'étais à toi, j'ai ralenti, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Moi je me suis posé la même question mais avec ma boîte de vitesse, je l'ai regardé, j'ai fait mais qu'est-ce que tu fais? J'ai spin à l'auto. Ouais mais t'inquiète. J'ai spin, je vois ma caméra qui se tourne, je te vois en train de faire des tonneaux. T'inquiète gros, t'as spin. Hop. D'une agilité hors pair cette voiture. Je te double. Ouah. Aïe aïe aïe. T'as volé. Mais gros je t'ai roulé dessus. Je me suis dit il va freiner. Je vais lui freiner dessus. Non mais t'as volé. Mais laisse tomber. On peut pas concurrencer une F4. Gros c'est pas possible. That's not possible man. Après, c'est très stylé. Hein. C'est très très stylé. On va prendre. J'aimerais prendre un véhicule qu'on ne prend jamais dans BeamNG. Et je ne sais pas pourquoi. Il a l'air bien pourtant. Prenons-le. Rendons-lui hommage. Plus 8500 tours, attends. Le routeur, 151 chevaux. C'est une lada, mon ref. Putain, hey, elle bombarde. Ouah, comment elle bombarde en vrai. Comment elle bombarde. Lada.
C'est pas une Lada. Bon, adhérence, c'est pas ça. Mais. Oui, que j'ai beaucoup d'entendre, je sais pas ce qu'on peut comme véhicule. Très bizarre d'avoir le volant à droite par contre. Attends, je m'arrête, je vois ce que t'as. Ah d'accord, ah oui, je vois ce que t'as, ah oui, ah oui. Bah oui, on le prend jamais. Après, tu m'étonnes, hein, 154 chevaux sur un truc de 300 kilos. Ça tape des vitesses de pointe dignes d'une F4, moi je dis. Hein. Est-ce que c'est aussi agile? Alors, agile, oui. Mais par contre, est-ce que ça drifte beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup moins de poids et du coup les pneus ils adhèrent pas? Oui. Est-ce que aussi il n'y a pas d'aérodynamisme? Oui. Si, si. Si, t'as vu la taille de l'aileron? L'aileron il est bon là. Ouais, mais à part ça, moi j'ai l'aileron à l'avant, à l'arrière. T'inquiète, j'ai le rond à l'arrière. J'ai un diffuseur. J'ai un diffuseur aussi, mais de bonnes odeurs dans la voiture. C'était, c'est parce que là, ça, je puais un peu avec les sièges en cuir. Sauver la 405. En vrai, gros, j'aimerais bien qu'on fasse une drag race. Mais genre sur une... sur pas un truc collant, genre sur un, sur la, l'axelle, là, la grosse axelle. Juste parce que vraiment, je me pose la question parce qu'en vrai, elle bombarde. Non, en vrai, elle bombarde. Vas-y, j'arrive. Ça va? Allez, 3, 2, 1... Je trace une Formule 1. Je allez, Formule 4, Formule 4. Je trace une Formule 4. Ouais, le mal, allez, on prend une Formule 1, je te fume, voire 1 milliard. Là, par contre, je suis rupteur, hein. Là, je suis rupteur, là, vraiment. Ah non, moi, j'excelle encore. Mais il fallait que je freine pour prendre le virage. J'ai pas une F4. Mais... tu sais ce que j'ai vu, moi? Une grosse trace de fumée devant moi. Mec, t'as pilé. Il a pas d'ABS ce véhicule. Pas dose. Mais je peux pas doser, j'ai un clavier on off, le team dit dose, fils de pute. Mais Nick. Vas-y, je t'attends, Faut que je change de voiture. Ah, Trisobé, bienvenue. Merci du follow, frérot. De quoi, Trisomike? Non. Tristobal. Tristobal, exactement. Tristobal. Désolé, Tristan, désolé. Peut-être. Tristan. Non, Tristobal. Tristo? Merci, frérot, merci de l'abonnement. Installe-toi. Non, oh, pas abonnement. Le gars, il a claqué son Prime direct. Mmh. Il a fait, ouah, toi, t'as une bonne gueule. J'aime bien. Toi, t'es beau, toi, t'es beau. Ça y est, j'ai une voiture, gros, j'ai pouvoir te suivre. J'ai pouvoir te suivre tel. Attends, je sais pas ce que ça, Je vais quand même prendre un peu d'avance, on sait jamais. Oui. Ça va, gros? Suis-moi pour qu'on aille sur un circuit qui soit un peu plus équitable. Mais sur la terre, frérot. Non. Pourquoi c'est un an qui me paraît. Il y a un petit passage de terre, mais après c'est bon. Mais frérot, c'est.
C'est le circuit de rallye, wesh. T'inquiète, ça passe. Vas-y, je te suis, je te suis. Franchement, en drift un peu, tu vois. Ah, c'était pratique, merci. Comment dire ? Ah bah d'accord. Bah d'accord. Voilà, ça y est, je t'ai écrasé, gros. Attends, je vais prendre un véhicule aussi, mon ref. Adapté. En vrai, le son est fort. Le son du véhicule est très très fort. Lui, il est extrêmement fort. Je baisse un peu le son du jeu, hein. Pourquoi je suis à 2 FPS, wesh? C'est pas normal, ça. Faut attendre qu'il charge, t'inquiète. Merde. Ah mais non, c'est pas que le chargement, là. Ouais, ouais. Je suis à 2 FPS, c'est pas compréhensible. On va voir sa voiture. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Mais c'est une bonne idée. Mais mon ref. Attends, mais c'est que je suis à 2 FPS partout. Gros, son PC il est passé en mode 2 FPS. C'est un mode payant 25€ l'option. 25€ les 60 FPS. 1€ le FPS. Gros. 25€ les 60 FPS, 1€ le FPS, gros. Ça y est, il est bon calcul, lui. Non, mais genre, tu fais payer 1€ le FPS, tu fais des coups la mort. Bouge ta mère. C'est qui te pousse maintenant? Ah, c'est la baston. Tu sais que je vais pouvoir 2 FPS, ouais. Attends, arrête de détruire des véhicules là parce que genre je suis à 2 FPS, je comprends pas pourquoi. Donc si tu commences à tout détruire, c'est encore pire. Oh. Allez les gars, on accélère. On teste la VMAX. Non mais là, ça veut dire frérot, fin de stream. Ça y est frérot, ça bug. C'est en fait le gars qui est arrivé sur ton stream, il t'a fait une attaque DDoS. Le DDoS moi, je vois pas en quel grand intérêt. Bon, en vrai le DDoS c'est vraiment pour faire chier le monde. Ouais, c'est vachement cool. Il y en a qui perdent ça, c'est ça qui me termine. Enfin, qui me termine. En mauvais sens, ça me termine. Mais moi, je kifferais faire un DDoS genre sur un serveur où ça fait bien chier du monde. Genre, tu sais, sur toi, un serveur. T'es vraiment une salope un peu. Hein. Sur un serveur Unity ou un truc comme ça, tu sais, un serveur où t'as besoin du serveur pour jouer au jeu. Genre, The Crew 2, t'as des serves. T'as besoin du serve pour jouer au jeu. Genre, tu fais une merde sur le serve, du coup, plus personne peut jouer pendant une semaine ou un truc comme ça. Ah oui, ou ils sont obligés de jouer sur un serve en Inde où genre il y a du ping d'enculé. Ah mais ça c'est vraiment... Mais tu vois, c'est pour faire chier le monde. Toi en fait t'es un chieur. Mais tout à fait. Putain, j'en peux plus. Oh putain, c'était beau ça. Bon, j'arrête le stream. T'arrêtes le stream? Ça y est les gars, l'annonce, ça passe sur TikTok. Le petit gars arrête le stream, voilà, il en a marre, il est parti en dépression, il arrête le streaming. C'est qu'il y a trop de monde qui viennent sur mes streams. Quand je sors dans la rue, à chaque fois on me dit ouais, le petit gars. Je te connais pas, fils de pute.
Aïe aïe aïe. En fait, y'a trop de monde qui vient de me voir, ça quoi. Bon, bah je vais arrêter le stream, les gens. Voilà, le petit Gab, voilà, c'est comme ça qu'il vous dit au revoir. Je vais arrêter le stream, les gens. Après, allez, après tout ce que vous lui avez donné, des milliers d'euros, il arrête le stream. Actuellement, celui qui m'a plus donné, c'est Guillaume, ça sûr. Il est même pas là ce soir. Tout au plus, 20 balles. Non, mais il est venu, il s'est cassé, frérot. Bah allez, frérot. Regarde, il fait du pole dance. Ça fait du pole dance. Tu te casses, tu vas vraiment te coucher là, tu t'en vas. Tu nous abandonnes. Je pars. Je te fais un petit raid. Au revoir. Au revoir, je t'aime. Bisous. À demain. Bisous. Pourquoi pas à demain, tu stream, on verra. Non, moi je stream pas demain. Les gars, je stream pas demain. Moi c'est après-demain que je stream. Demain, bon, je suce des queues. Allez, bisous gros, faites beau rêve. Faites beau rêve. Allez, vas-y. À plus. Non. Peut-être que je suis très belle, non? Oui, ça pourrait être pas mal aussi, ouais. Les alertes pour les raids? Je crois, pourquoi? Je viens de te raid. Bah ça va devoir arriver, tu sais, il y a un peu de latence. J'ai vraiment rien reçu. Ouais, c'était bien ça. Ah, peut-être parce qu'en fait j'ai lancé le raid, après j'ai arrêté le stream, peut-être qu'il fallait que je laisse le stream. Bah tu vois, quand tu lançais le raid, ça allait t'arrêter le stream, non? Bah, automatiquement, non. En fait, tu lances le raid, donc t'envoies chez quelqu'un, et après, faut que t'arrêtes le stream. Justement, moi j'ai fait ça, j'ai lancé le raid, et juste après, j'ai arrêté le stream. Mais je pense qu'il fallait que j'attende un peu. Du coup, tu peux faire un raid, mais ne pas arrêter le stream, du coup, les gens reviennent sur toi après. Bah, non, du coup, justement, les gens vont continuer de t'écouter. Mais par contre, t'auras l'image du gars, tu changerais ton image, mais genre là je pourrais continuer à parler, les gens continueront de m'écouter. Mais après du coup, dès que je quitte le stream, bah hop là, ça va se que... C'est subtil. Ok. Ok, let's go. Eh ouais, bon allez, à plus. Allez, fais de beaux rêves gros. Bon courage pour ta journée demain. Et à une prochaine. Toi aussi hein. Merci oh. T'as dit à la semaine prochaine? Non, à une prochaine. Bah... Peut-être demain, peut-être après-demain. Ouais, c'est ça, demain en vocal et puis après-demain en stream. Si t'es là. Si t'as la forme. Normalement, j'aurai la forme, on verra bien. Ouais, bon, allez, ouais. À plus. Allez, à plus, gros. Ciao, ciao. Ciao. Petite musique chill avec un V8 en drift. J'ai fait un drift dans l'herbe à la boiserie, frère. J'avais envie de finir ce petit live en drift avec cette voiture. Puisque j'ai bien kiffé la faire drifter tout à l'heure, donc on va continuer sur cette lancée. Faut que je sais un truc que j'ai vu sur internet. Non. Ok. Il a fait moins de spin que moi, mais en soi, ça marche. C'était un reverse drift, et après, tu prends le virage. Mais ça a l'air vachement chaud à faire, en vrai. Oh là là. Vous avez vu? Ça, c'était la voiture de drift que je cherchais avec beaucoup de couples en bas et beaucoup de chevaux en haut. Donc là, même si t'es en quatrième, tu peux drift parce que t'as le couple qui va t'amener dans les tours. Deux cent soixante.
Et... Vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de faire un truc spécial pour la fin. Moi aussi, je suis crevé. Dès que je vais passer la ligne d'arrivée, je l'ai déjà fait lors d'un autre stream, mais j'adore le faire. Dès que je vais passer la ligne d'arrivée, le stream va se couper instantanément, tu vois. Directement. Ça va être une dinguerie. Tu Ouais, vois. je suis totalement d'accord. Ouais. Mais va te coucher, toi. Donc, les gars, merci d'avoir regardé le stream. De Je vous rien. aime. Merci, merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui viendront les prochaines fois. Merci aux 55 personnes qui me follow et qui me font confiance. Merci aux 92 De personnes qui sont abonnées à ma chaîne rien. YouTube principale. Et merci aux 64 personnes abonnées à ma Mais chaîne trop YouTube d'accord. secondaire. Trop Je vous aime d'accord, ouais. et je vais me Ouais. taire. Je vais me taire et vous laisser écouter le magnifique son de ce V8 pour la fin de ce stream. Vroom, 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 Comment nique ta mère? vroom, Il me fatigue, je vous jure. Attention aux 4 cylindres. Je vais faire...